Amaka! Maman? Maman? As-tu fini de cuisiner? Presque, maman. S'il te plaît, fais vite. Nous devons aller au marché ensemble, je t'en prie. Ok. Bonjour, maman. Désolée, maman. Bon après-midi. Bonne journée. Bonne nuit. Qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce qu'il y a de bon avec cette journée? N'est-ce pas que je t'avais demandé de ne plus venir dans cette parcelle? Je ne veux pas te voir dans cette parcelle. Es-tu sourde? Maman, je suis désolée. S'il vous plaît, je n'ai pas pu joindre Chena. Son téléphone ne passe pas. Vous a-t-il appelé? Question. C'est pour ça que tu es venu ici? Donc c'est pour ça que tu es venu ici? Pour me poser la question? À la place d'aller chercher quelque chose de bon pour améliorer ta misérable vie, tu préfères sillonner partout dans le village, d'une parcelle à l'autre. Pourquoi? Tu n'as pas honte de toi? Maman, s'il te plaît, je suis très inquiète. Je n'ai pas pu dormir hier la nuit. Ça fait déjà une semaine que son numéro ne passe pas. Bien. Il a changé de numéro. Et il ne veut plus que tu puisses le déranger. Permets-lui de se concentrer. Permets à mon fils de se concentrer. Est-ce trop demandé? Maman, es-tu sûre? Si je suis sûre, moi, Ujua, si j'en suis sûre, hein? Tu veux savoir si moi, Ujua, tel que je suis là, je suis sûre de ce que je dis? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Mais voyez-moi cette sorcière. Amaka! Maman? Fais vite, sinon je vais te laisser. Je dois faire vite pour aller au marché. Je te dis ce qui est vrai, oh mon gars. Tu sais, la chanson dit « Tu es à moi, je suis à toi. » Oui. Et après, ouais, tu as pris ma raison. Il y a d'autres qui dit « Tu es mon amour éternel. » Oui, c'est ce qu'il dit en fait. Et après, il dit « J'ai demandé la nuit, on m'a donné un diamant. C'est avec toi que je passerai les restants de mes jours. » Et après, tu sais. Ma chérie, tu viens d'où comme ça? Joli, hein? Tu es canon! Ouais. Je te dis, mon gars, cette gonzesse, c'est très frais. Tout est parfait! Je te dis, elle est parfaite de partout! Je ne comprends pas. Qu'est-ce que veut dire tout ce que tu racontes? Mais voyons, regarde, l'ami de notre ami, c'est notre ami! Exactement! Ok, ouais. D'accord, là au moins je comprends. Parlons de votre ami. Je viens de sa famille pour avoir des nouvelles, mais sa maman ne m'a pas laissé faire. Et je ne sais pas que si vous avez parlé avec lui récemment. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis un mois, oui. Maintenant, un mois déjà. Un mois, hein? Ouais, ah, tu as raison. Oui. Bon, pour mon cas, ça n'a pas encore fait un mois, mais c'est depuis la semaine prochaine que je n'ai pas entendu ça. Juste une semaine. Une semaine. Juste une semaine. Et tu t'inquiètes pour ça. Mais voyons à ça. Ne t'inquiète pas. Dès que tu es prête, tu me cherches. T'inquiète pas pour ça. Écoutez, hein, détends-toi. J'en ai marre de cette conversation. Parlons de quelque chose de mieux. Bébé, vas-y, dis-moi, quand est-ce qu'on va se voir ce soir? Tu sais, on doit se voir tous les deux. Pourquoi? Je cherche à savoir les nouvelles à propos de mon petit ami. Tu mais je voulais juste... Mais attends, non. Rien comment elle est sexy. Si j'attrape cette gonzesse, que je vais lui faire, mon cher. Tu vas attraper quoi? Je vais sucer cette fille, mec. Ah, mon cher, fais-moi là.
Es-tu normal? C'est notre ami. Et après, ça veut dire quoi? Laisse-moi pour ça. Non, je ne veux pas que tu fasses personne ça. Personne ne l'a marié, même mec. Pas de les faire. Gars, calme-toi, personne ne l'a encore épousé. Tu vas l'épouser, toi. Je ne juste vais pour pas. Quelques minutes, non? Je ne vais pas. Mais quoi, nous mania biko, non? Hein? Mais où sont parties ces filles? Hein? Oh oui. Maman? Hein? Maman, elle n'est pas dans la chambre, encore moins dans le salon. Donc, je ne sais même pas où est-ce qu'elle est allée. Où est-ce qu'il est parti à cet instant? Je ne l'ai pas vu, maman. Et où est-ce qu'elle peut naître? Je ne sais pas où. Bien, Ifoma. D'où viens-tu? Je te cherchais partout dans la maison. Tu étais où? Maman, bonjour. Bonjour à bonjour. Toi. D'où viens-tu? Je suis passé de la maison depuis le matin. C'est mieux bon après-midi. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? D'où viens-tu? Désolée, maman. J'étais allée délivrer un message à quelqu'un. Grande messagère! Grande messagère, tu vas te réveiller un matin et te promener par-ci par-là comme un oiseau. Ifoma, arrête ça, je t'en prie. Reste à un seul endroit. Hey! Regarde là. Tu n'as fait aucun travail ménager dans ta propre maison. Tu te lèves tôt le matin pour aller délivrer un message, je ne sais chez qui, et y rester jusque les après-midi. Vraiment? Ok, comme tu peux voir, j'ai déjà tout fait. Tu n'as qu'à suivre ton frère au champ pendant que moi je serai au marché. Va récolter avec ton frère le feuille de manioc. Et là, après que tu aies fini de préparer, tu m'as suivi? J'ai t'ai entendu, maman. Je vais tout faire. Maman. Continue de grimper, espérons que tu ne tombes pas. Maman, bonne route. Attends. Maman, pars bien, hein. Bye. Et toi, j'espère que tu as entendu tout ce qu'elle a dit, hein. Donc, reste c'est faire ton travail, s'il te plaît, ne me dérange pas. Tu fais des commentaires quand maman parle. C'est pour qu'elle se fâche encore, non? Toi, tu crois que j'étais allée où? Tu racontes n'importe quoi. Frère? Oh, frère, bienvenue. Maman, s'il te plaît, donne-moi 200 naira, je paye ici. Juste 200 naira seulement, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, maman. Maman, fais vite, on attend. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien avec moi. M'avais-tu envoyé de l'argent pour que je garde pour toi? C'est quoi ton problème? Vas-y, tiens. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci mon frère, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Hey, Amaka. Oh, Amaka, frère. Regarde ta hanche. Mais qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi tous les hommes de ce village ne font pas... Uchenna! Viens ici. Pourquoi es-tu revenu dans ces villages? Maman, tu ne m'as même pas encore demandé de m'asseoir, maman. Mais toi. J'ai envie d'entendre l'histoire. Maman, j'ai souffert. J'ai souffert là-bas, les gosses. J'ai énormément souffert quand j'étais à Lagos. Les trois derniers mois que j'ai passés là-bas, à Lagos, étaient les pires des mois que j'ai passés de toute ma vie. J'ai vraiment souffert. Je n'ai même pas pu avoir un boulot. J'étais dans presque tous les bureaux de Lagos, dans presque tous les shops de Lagos pour chercher du travail, mais je n'ai pas pu en avoir. L'ami avec lequel je vivais en avait même marre. Il m'a finalement chassé de sa maison. Maman, peux-tu croire que j'ai commencé à dormir sous un pont dans la rue?
Maman, est-ce que tu peux croire tout ça? Je dormais sous un pont, maman. Et quand je ne pouvais plus supporter tout ça, j'ai vendu mon téléphone pour pouvoir réunir de l'argent et rentrer à la maison. Je suis désolée, grand frère. Vraiment désolée que tu puisses traverser tout ça. As-tu fini? As-tu fini avec ton histoire à dormir debout? Hein? Maman, donc tu veux dire que tu ne le crois pas? Qui, celui-là? Ah! Ça se voit que tu ne connais pas assez ton frère. Il y a beaucoup de garçons à Lagos qui cherchent de l'argent et bossent dur. Et ils gagnent bien leur vie. Uchenna ne nous a pas donné la raison pour laquelle il est revenu. Maman, maman, qu'est-ce que tu es en train d'insinuer? Tu dois sûrement avoir fait quelque chose qui a fait en sorte que tu puisses rentrer au village. Je te connais très bien, Uchenna. Tu ne changeras jamais. Maman, je sais qu'il y a des choses terribles que j'ai faites dans le passé. Mais j'ai beaucoup changé maintenant, maman. Il faut que tu apprennes à croire en moi, maman. Ah, moi, te croire. Par où est-ce que je vais commencer? Oh non, dis-moi, comment est-ce que je vais te croire? Réponds-moi, comment pourrais-je te croire? Après tout ce que j'ai enduré comme souffrance, pour t'élever que tu deviennes un homme bon, c'est ça que j'obtiens. C'est toute chaîne qui est devant moi. Oh non, je n'ai pas souffert pour ça. Qu'est-ce que tu es venu faire ici à 7h de la nuit? Je suis venu te voir, non? Tu es venu voir qui? Mais toi, bien sûr, non? Pourquoi? Écoute, laisse-moi me dévoiler. Je vais confesser un truc. Écoute, je suis vraiment amoureux de toi. Je t'aime beaucoup. Tu aimes qui? Toi, bien sûr. Ne dis pas ça, s'il te plaît. C'est pourquoi tu dois venir jusqu'ici pour me voir. Tu ne réalises même pas que si mon frère ou ma mère te voyaient, ils ne seront pas d'accord. Hormis ça, je suis en relation avec ton ami. Il m'aime et je l'aime autant. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Est-ce que tu peux oublier Uchenna deux minutes? Uchenna ne t'aime pas du tout. Ok, où est-il maintenant? Il n'a même pas le temps pour toi. Tu veux dire quoi par là? Moi, je te donnerai tout le temps. Allez, va-t'en, va-t'en, sors ici. Okudele, qui est là? Okudele, hein, maman? Qu'est-ce que tu fais à 7h de la nuit dehors? Je vais aller me soulager, maman. Mais j'ai entendu la voix des gens. Étais-tu en train de parler avec les gens? Non, maman, moi aussi je l'ai entendu. Peut-être que ce sont les gens qui sont en train de passer dehors. Entre, ferme la porte là. Dépêche-toi. Even if you climb a miracle tree, you can never, never see. Confrère, dis-moi, qu'est-ce que tu vas commencer à faire maintenant que tu es revenu ici au village? Quelque chose du genre travail? Comment vas-tu gagner de l'argent? Jusque-là, je n'en sais rien du tout. Ma chère sœur, je n'en sais rien du tout. Mais c'est beaucoup mieux que je sois retourné ici, au village, que d'être là-bas, à Lagos. Oui. Confrère. La vie à Lagos n'était vraiment pas facile. Tu vois, j'étais obligé de dormir, même dans les rues. Dormir même sous des ponts. Tout ça pour survivre. Alors je me suis dit pourquoi je continuerai à vivre ici à dormir dans les rues alors que j'ai un toit là-bas, chez moi au village. Ah. Ouais, je devais retourner. C'est bien réfléchi. Oui, c'est mieux. Ah, wow. Avant que je n'oublie, Ifit, ta petite amie, elle venait souvent pour avoir de tes nouvelles. Vraiment? Elle va venir? Oui. Tu sais, écoute. Et tu sais, elle ne sait pas que je suis déjà de retour ici.
Je pensais même aller plus tard, aller la chercher. Oui, c'est ça. Oui, j'irai la voir, d'accord? Ok. Oui. Tu sais, sûrement, elle essayait d'appeler mon numéro. Oui. Grand frère, oui. Il y a une question que je voulais te poser. Pourquoi maman se fâche toujours contre toi? C'est quoi le problème entre vous deux? Vous refusez de me le dire. Écoute, ma petite sœur. Si toi, tu me demandes, et moi, j'irai demander à qui? Je ne sais pas du tout quel est le problème. Je ne sais pas. Je ne suis jamais parvenu à comprendre. Des fois, j'essaye de comprendre, je me dis des choses, mais enfin, je n'arrive toujours pas à comprendre. Je ne sais pas, bon, je n'ai jamais pu la comprendre. Mais je me suis finalement dit que sûrement, je ne suis pas devenu ce qu'elle attendait de moi. Tu vois, c'est peut-être ça le problème. Bon, je ne sais pas vraiment. Kuchina, en dépit de tout ce qui s'est passé, l'essentiel est que tu es rentré en bonne santé. J'ai passé par beaucoup de difficultés, malgré ça, Dieu t'a gardé. Qui sait peut-être que tu allais aussi perdre ta vie? Écoute, rien ne me serait arrivé. Absolument rien du tout ne me serait arrivé, à part le fait que je mourrais de faim. Je dormais même dans la rue. S'il te plaît, ne dis plus ça. Ne le dis plus, ça ne m'aide pas du tout. Arrête. Arrête, s'il te plaît. Écoute-moi. Tu vas rester ici au village avec moi. Oui, au moins nous ne manquerons pas à manger. Et je serai en train de profiter de ta beauté tous les jours. Oui, j'ai compris. Ma chérie. Oh, comme tu m'as manqué. Je t'aime vraiment beaucoup. Moi de même, je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup, je t'aime énormément. Mais ta mère ne m'aime pas. Tu sais, je n'ai jamais su ce que je fais de mal pour qu'elle m'haïsse de cette façon. À chaque fois que je venais avoir de tes nouvelles à la maison, elle me chassait comme une voleuse. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec ma mère. Je pense qu'elle ne m'aime pas. Pourquoi? N'est-ce pas que tu es son unique fils? C'est aussi ce que je pensais. Mais peut-être, ce que je peux essayer de comprendre, c'est que je ne suis sûrement pas devenu ce qu'elle attendait de moi. Mais ce n'est pas ta faute. Tu as fait tout le possible à ton niveau. Tu n'es pas Dieu. Considère-le dans ton passé. Tu as ton avenir devant toi. Tout sera bien. Maintenant, s'il te plaît, essayons d'oublier ma mère pour un instant. Parlons de toi maintenant. Comment ça allait quand je n'étais pas là, Ifeanyi? Ça va. Je vais encore mieux maintenant que je peux te traindre, toucher tes mains et passer le temps avec toi. Tu m'as vraiment beaucoup manqué. Merci, je t'aime autant. Uchina, tu sais que tu es le seul qui est censé payer toute cette boisson. Tu reviens fraîchement de Lagos. C'est lui qui tu es supposé avoir de l'argent et des voitures. De toute façon, revenir ici n'était pas dans mon plan. Ce n'était pas dans mon plan, alors je n'ai même pas un Naira ici. Même pas un Naira, c'est dans ma poche. Uchina, donc tu essaies de me dire que tu n'as même pas un Naira ici. Et comment allons-nous payer la facture maintenant? À qui tu demandes? Qui va payer la facture, non? Écoute, je ne veux pas que cette femme vienne pour me saisir sur le corps. Mais écoutez, moi je pensais que à quoi qu'elle allait payer tout ça. Hein? Mais ça signifie quoi tout ça? Pourquoi vous êtes là pour m'embrasser? Madame, venez prendre votre argent, c'est lui qui va payer. Il n'a pas d'argent. Mec, c'est toi qui vas payer. Les gars, les gars, je vais m'en occuper. Je vais payer toute cette boisson. Écoute, Kené, je sais que tu veux payer cette bière. La bière n'est pas le problème. Uchenna, je ne le comprends vraiment plus du tout. Mais il a changé. Vous êtes mes potes. Je me souviens qu'on était encore à l'école secondaire, non? Où je n'étais un vrai gentleman. Il dépensait vraiment de l'argent. Beaucoup. Mais là, je ne le comprends plus. Juste niveau. Comme ça. Mais sinon, Uchenna, que vous avez toujours connu, n'est pas le même aujourd'hui, mais sachez que Uchenna va rebondir. Oh oui. Écoute-moi. Très fort. Que tu renaisses. Que tu renaisses pas. En quoi ça nous regarde? Est-ce que ça te concerne? Est-ce que ça nous concerne? Mais nous devons répondre à notre travail habituel.
Oui. On ne peut pas continuer de vivre de cette façon-là. Là, tu fais le point. Tel que je suis là, je suis déjà prêt. Au moment où je vous parle maintenant, hein. S'il faudrait qu'on aille maintenant, on irait direct. Je te crois. Tu comprends ça? L'argent doit démarrer dans le coffre. Non, non, on ne peut pas vivre de cette façon-là. J'ai besoin de cet argent. Désolé de vous interrompre. Oui. De quoi vous parlez exactement? Mais tu es prêt pour quoi? Ce gars me fait tellement rire. Il ne comprend absolument rien. Attends, je vais t'expliquer. Viens, je t'explique. Approche. Ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Comment Mon tu vas? Frère. Qu'est-ce qu'il y a comme ça? Tu m'as réveillé. Amaka. Mais prends. Amaka, mais où? Hey! Amaka, où est-ce que tu as pris une telle somme d'argent? J'espère que tu n'as pas commencé à faire n'importe quoi avec les garçons de ce village. Enfin, t'inquiète pas. J'ai économisé de l'argent. Je veux qu'il t'achète un nouveau téléphone. Tu veux que j'achète un nouveau téléphone? Oui, grand frère. Je veux que tu puisses être connecté. Amaka, mais j'utilisais ton téléphone. Oh, attends. Attends, je pense que je comprends maintenant. Donc, tu veux que j'arrête d'utiliser ton téléphone? Grand frère, c'est pas ça le problème. C'est juste que... Je veux que tu puisses avoir un nouveau téléphone. Amaka, j'espère seulement que ce n'est pas un homme qui t'a donné cet argent. Amaka, dis-moi, est-ce que tu es encore vierge? Oui, grand frère. Tu es sûr? Oui, très sûr. Je ne parle pas aux hommes. Ok. Alors, prends l'argent. Hey! Merci beaucoup. Merci énormément. Viens ici, ma soeur. En tout cas, c'est beaucoup d'argent. Hey, tu me donnes vraiment tout cet argent? Oui, mon frère, j'ai économisé de l'argent. Hey, Uchenna! Uchenna! Maman, pourquoi as-tu pris l'argent que j'avais gardé sous mon lit? Hein? Donc nous sommes arrivés au point où tu commences à me voler de l'argent. Maman, mais je ne t'ai rien volé. Je ne t'ai rien volé du tout. Non, je ne t'ai rien volé, maman. Rien du tout. Je n'ai rien volé. Donc l'argent a pris des ailes et s'est envolé. Hein? Durant toute ta vie, tout ce que tu m'as donné, c'est tristesse, chagrin et problème. Depuis que tu es revenu de ton Lagos, est-ce que je ne te nourris pas? Hein? Est-ce que je t'ai mis à la porte, Uchenna? Non, maman. Non, je n'ai pas pris ton argent. Je ne l'ai pas pris. Il n'y a qu'un enfant stupide. Seul un enfant stupide vole ses parents. Si tu ne me donnes pas cet argent maintenant, tu vas regretter ce que je te ferai. Donne-moi mon argent. Maman, le seul argent que j'ai ici, c'est celui que Amaka m'a donné ce matin. Hey! Chuko! Amaka! Amaka! Hein? Donc, tu commences à envoyer Amaka pour qu'elle aille voler pour toi? Que Dieu te pardonne. Est-ce que je viens de dire que Dieu te pardonne? Que Dieu te bénisse, Uchenna. Rien ne marchera avec toi. Tu ne prospéreras jamais. Maman, allez, arrête de les maudire. C'est ton fils unique que tu es en train de maudire. Je lui avais donné cet argent pour acheter un nouveau téléphone. D'ailleurs, dans cet argent, il n'y a que 5000 qui t'appartiennent. Veux-tu te taire? Est-ce que je t'ai blâmé? Hein? Est-ce que je vous ai blâmé tous les deux? Ce n'est pas de votre faute tous les deux. Parce que tout le jour, quand vous revenez à la maison, vous trouvez à manger, c'est ça? Ramène-lui cet argent, maman. Maman, je ne sais pas si tout ça signifie que je m'en aille. Pars! Non, ce n'est pas grave, je m'en vais. Pars! Va-t'en! Maman, tu dois arrêter.
arrêter ça. Enfant inutile. Wouhouhouhou. Vaut rien. Stupide garçon. Arrête, c'est pas bien. Allez, tais-toi. Ferme-la. Pauvre idiote. Maman, ramène mon argent. Tout ça, j'ai dit de gâcher là. Ne me cherche pas sinon. Tu verras ce que je te ferai aujourd'hui, idiote. Mais d'où viennent ces enfants? Seigneur, mais qu'est-ce que je te fais? Ils me donnent toujours des maux de tête. Et mon Dieu. Tout cet argent, mon père a sonné pendant 2 semaines avec ça. On verra dans cette maison. Mais entre nous, Amaka n'aurait pas dit aussi voler l'argent de ta mère. C'est la même chose que je lui ai dite. Je lui ai déjà dit la même chose. Qu'elle n'aurait pas dû faire tout ça pour moi. Je te comprends. C'est pourquoi je ferai de mon mieux pour te trouver de l'argent pour t'acheter des téléphones. Ok? Quoi? Tu dis quoi? Donc sérieusement, tu vas... Oui. Oh, en tout cas, merci beaucoup. Mais tu vois, le fait est que je me suis d'abord concentré à faire autre chose. Et le téléphone n'est pas une priorité maintenant. En tout cas, ça relève de mes préférences. Le téléphone n'est pas une priorité. Ok, c'est bien de l'entendre. Je voulais te partager un truc. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi tout. C'est au sujet de tes amis. C'est encore quoi son nom? Dubem. Dubem. Il m'a demandé de sortir avec lui. Il s'est permis de me dire que non, il m'aime, il veut m'avoir, il veut que je sois à lui. Il a même osé venir jusque chez moi. Très tard la nuit, je l'ai même chassé. Quoi? Dubem? Non. Dubem est vraiment un caméléon et je suis sûr que nous allons faire quelque chose. Oche, je ne voulais pas du tout te le dire pour éviter des troubles. Mais finalement, je me suis dit, je dois te le dire pour que tu saches quel genre d'amis avec qui tu es. Ils ne veulent pas c'est de ton bien, ils sont vraiment des caméléons. Je sais que c'est un caméléon, mais j'espère seulement que tu ne l'as rien payé du tout. Regarde-moi celui-là. Ils ne sont pas dignes de confiance. Avec un bouc. Fais attention avec eux. Grand frère, bon après-midi. Où est-ce que tu vas sous ce soleil accablant? Qu'est-ce que tu fais avec ce garçon stupide? Ne vas-tu pas à la maison pour plaisir? Grand frère, c'est mon ami Uchenna. Je le connais bien. Je sais que son nom est Uchenna. Va à la maison et cuisine. Oui, je t'ai entendu, grand frère. Je vais aller. J'ai dit, va à la maison maintenant. Allez, dépêche-toi. Pas comme ça. Hé, ce n'est pas à toi que tu parlais, mon ami. C'est pas à toi que tu parlais. Allez, vite, va-t'en de là. Mais tu me parles maintenant, là. Mais c'est quoi? Pourquoi tu es en train de crier comme ça? Dicky, je t'attendais, non? Vous devriez arrêter de m'attendre. Je ne suis pas là pour un échange de paroles. Je ne suis pas là pour toi. Je suis là pour ces criminels. Criminel? En fait, oui, c'est un criminel. Dis à ces criminels de rester loin de ma petite amie. Ou sinon... Sinon... Moi, petite un criminel. C'est ton père qui est un criminel. Tout le village ici sait que toi, c'est un criminel. C'est bien toi le criminel. Même ton père est connu de partout comme un criminel. Assez! Ah! Je suis tellement déçu de vous deux. Hein? Chacun de vous a une seule petite amie. Une seule. Je veux que vous vous asseyez ici et cherchez comment on va trouver l'argent. Et c'est tout ce que tu as à dire. Je suis tellement déçu. Non, c'est tout ce que tu as à dire. Je suis vraiment déçu. Non, c'est tout ce que toi tu as à dire. Au lieu de chercher comment parler à ces criminels. Voilà, les criminels. Un jour tu vas mourir dans un de tes crimes. Non, tu vas lui dire de rester loin de ma petite amie. Regarde, j'avais déjà dit à Ben. Hein? De laisser il faut ma tranquille. Okay. Et il avait accepté. Il a accepté. Oui. Il a vraiment accepté. Écoute, mec, si ce n'était pas pour une raison, hein. Tu vois ta meuf là, je serai là avec elle jusqu'à la fin. Bien. D'ailleurs, je suis même plus intéressé par elle. Merci. C'est juste mon pour cher, une raison. Merci. C'est résolu. Maintenant, on va penser à comment trouver l'argent. Hein? Comme je vous l'avais dit, j'ai déjà trouvé les premiers masques. Je tiens vraiment à commencer ce business.
Les voici. Voilà qu'il vient là à nous crier dessus comme des bébés. Qui est son petit frère ici d'ailleurs, hein? Bon. C'est quoi ça? Ah, tu vois? Imagine, regarde, il s'en va. Comment est-ce qu'il compte faire de l'argent? Alors qu'il ne sait même pas ce que ça veut dire. Laisse-les partir. Maman. Nous partons au champ, grand frère. Peux-tu venir avec nous? Oui. J'aimerais bien. Mais maman ne m'a rien dit. Est-ce que tu les supplies? Laisse-les rester à la maison. À la fin de la journée, c'est moi qu'il va bouffer. Il me mettra un morceau et me cuisiner. Mais maman, tu ne m'as pas dit ça à ton maman. Si seulement tu m'avais dit à ton maman, bien sûr, je vous accompagnerai à la ferme. Pourquoi je ne vous accompagnerai pas à la ferme? Aïe. Oujou, moi. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? J'ai oublié. J'ai oublié d'annoncer la nouvelle sur BBC. Idiot. Amaka, viens avec moi. Il peut rester à la maison s'il le veut. Allez, maman, calme-toi. J'ai vraiment beaucoup trop offensé ma mère. Que me pardonner devient de plus en plus difficile pour elle. Qu'est-ce que je vais faire pour qu'elle me pardonne enfin? Mais aussi ma sœur, c'est vraiment beaucoup sacrifié pour moi. Qu'est-ce que je vais faire pour la récompenser? Quoi? Je t'avais dit de ne pas t'inquiéter. Mais je veux sortir. Tu veux sortir? Mais la nourriture est prête. Que je la porte ici? Non, je n'ai pas faim. Je mangerai à mon retour. Te rappelles-tu du jeune homme dont je t'ai parlé la fois dernière? Qui voulait venir te voir? Le fils de mon ami. Il a dit qu'il viendra très bientôt te voir. Exactement. Ah, maman, je ne m'en souviens pas. Et pourquoi il doit venir me voir? Ah, comment tu peux oublier un message aussi important? Enfin, il a dit qu'il vient demander ton main en mariage. Bam. Et m'épouser? Et pourquoi pas? Moi, il faut moi. Maman, s'il te plaît, je ne suis pas du tout intéressante. Laisse-moi tranquille. Je ne comprends pas. Tu veux dire quoi? Bien, il faut moi. Écoute-moi bien. Si c'est à cause de ce stupide garçon que tu fais tout ceci, oublie ça, oh. Oublie ça maintenant. Ma fille, il n'y a rien de compliqué ici. Qui veut dire, c'est qui ce garçon du village à qui tu te réfères? Maman, s'il te plaît, cette question n'est pas du tout intéressante. Je ne sais pas pourquoi tu m'amènes dans ce terrain-là. Un homme que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré, je ne sais même pas comment il se comporte. Toi et mon frère, vous commencez déjà à planifier ce mariage. La personne que tu es censé connaître, c'est celui qui vient demander ta main en mariage. Et lui de même, il va apprendre qui tu es. C'est comme ça que ça se passe. J'ai dit que ce n'est pas possible. Bien, attends. Du calme. Ifoma, je t'en prie, ne me mets pas en colère. Ne m'énerve pas. Le fait que je t'ai vu l'autre fois avec ce garçon stupide que je t'ai pas frappé ne veut pas dire que je ne t'en veux pas du tout. Ne me mets pas en colère, oh. Ifoma, c'est qui cet amour? Maman. À qui tu te réfères?
puisque je ne comprends rien de tout ce que tu racontes. Maman, un simple bon à rien, un idiot. Un gros idiot qui, après être allé à l'université, il ne peut même pas arriver à se trouver lui-même un simple job. N'est-ce que pour avoir un aigra? Ne dis pas ça. Arrête. Il faut moi, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? De quoi parles-tu? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, ma fille? Maman, derrière imagine un peu. Imagine seulement. Ce non, ce n'est pas possible. Je vais te gifler haut. Je vais te gifler haut. Non, non, je ne suis pas d'accord. Vous n'avez pas les droits de me sortir la même. Non, tu ne pousses pas. Restez là. La personne qu'est-ce qui a crié? Me proposer maman, laisse-la, laisse-la. Laisse-la. Si elle veut partir, laisse-la. Laisse-la partir. Je ne veux pas. Où étais-tu? J'étais inquiète. J'allais t'appeler si c'est moi tu avais un téléphone. Non, je vais bien. T'inquiète pas, je vais bien. Donc, tu as quitté la maison juste comme ça et tu dis que tu vas bien? Et quand tu sortais, tu n'as dit à personne là où tu t'es rendu? Au fait, Amaka, je devais me libérer un peu l'esprit. Ouais, c'est pourquoi j'étais parti, pour essayer de me libérer l'esprit. Où est maman? Maman est dans la maison, elle dort. Tu dois sûrement avoir faim. Oui. D'accord, je t'apporte à manger. Merci beaucoup. La nourriture est là, grand frère. Ah. Qui a fait cette nourriture? C'est toi? Maman, bonjour. C'est écrit dans la Bible. Hey! C'est écrit dans la Bible. Celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Oh, je suis désolée. Vraiment désolée. Non, tout va bien. Tout va bien. Ma chérie, écoute, comme tu peux voir, j'ai maintenant un autre téléphone. J'ai acheté un autre téléphone. Alors, tu peux maintenant commencer à m'appeler. Ah bon? Oui. Laisse-moi voir. Oui, bien sûr, bébé. Et la batterie est vraiment très puissante. Oui, ce n'est pas mal. Oui, merci. Merci beaucoup. Mais où est-ce que tu as eu l'argent pour acheter ça? Donc, sérieusement, tu demandes à un homme comment il a obtenu de l'argent. Ok, tu sais, tu me poses beaucoup trop de questions, mais laisse-moi te répondre. J'ai eu à faire un petit boulot quelque part et on m'a payé. Intéressant. Oui, je me rappelle aussi. Oui, laisse-moi te donner ça pour se démuner là pour ta poche. Merci, mais tu peux le garder pour toi. C'est toi qui en as plus besoin. Tu n'en as besoin. Ce que j'ai me suffit. Je n'ai pas besoin d'argent pour l'instant. Mais toi, au contraire, tu en as besoin. D'ailleurs, il y a un truc plus important que ce que nous parlons maintenant. J'ai besoin de te le dire. Et un truc qui dérange. Est-ce que je fais quelque chose de mal? Non, ce n'est pas ton sujet. Mais alors quoi? Ma mère et mon frère sont allés faire des arrangements avec un homme pour qu'il m'épouse. Quoi? Ils ont fait quoi? Attends. Donc comme ça, tu te maries? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Otina, ça, ce ne sont pas mes intentions. Je ne connais pas cet homme. Je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai pas du tout envie de le voir. Tu es le seul homme avec qui je vais vivre. Tu es le seul homme que j'aime. Tu es le seul homme que je vais rencontrer. Je t'aime en retour. Moi aussi, je t'aime. Mais les gens de ta famille doivent te laisser tranquille, non? Hein? Mais pourquoi ils ne veulent pas te laisser tranquille? Mais c'est quoi tout ça? Ils doivent vraiment te laisser libre. Ils doivent vraiment te laisser libre, hein? J'ai une idée. J'ai une idée. J'ai la solution à ces problèmes. Donc, nous le faisons. Tout sera fini. Mais c'est quoi?
Viens payer ma dot. S'il te plaît, arrête de parler comme ça. Quand tu parles comme ça, c'est comme si tu es en train de me tenter. Tu sais très bien que je n'ai pas de travail, que je n'ai même pas d'argent. Comment je vais le faire, hein? Comment rassembler l'argent pour venir t'épouser? Tu vas accepter les salaires comme ça, je vais en apporter et t'épouser. Tu sais très bien que je n'ai pas d'argent pour la dot là. Ah bon? Ah, Ochena. Ça veut dire que tu me fais perdre du temps. Tu n'as pas d'argent pour la dot. Est-ce que c'est avec le sable qu'on paye la dot? Comment tu me poses ce genre de questions? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Oh, s'il te plaît, ne va pas jusque là. Tu sais que je t'aime. Je t'aime depuis le premier jour où mes yeux ont pu te voir. Tu sais bien que je t'aime, mais je ne peux juste pas t'épouser parce que je n'ai même pas où vivre pour moi-même. Et si seulement j'ose t'amener ici, tu sais comment ma mère va réagir. Essaie un peu d'y penser. Bon, tu n'as pas dormi. Alors qu'allons-nous faire? Qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi, s'il te plaît. Dis-moi, c'est quoi ton idée? Je ne veux pas épouser un autre homme. C'est bon. Je sais quoi faire. Ah bon? Oui. Écoute-moi. Ochi, je ne suis pas du tout à l'aise. Il faut que tu sois confortable. Ici, c'est ma maison. Pourquoi tu m'embarrasses? Désolé. Si ça dépendait de moi, je ne serais pas ici. Mais puisque tu insistes... Ici, c'est... Toi? Maman, bonsoir. Encore cette même fille? Hein? N'est-ce pas que je t'avais averti de ne plus mettre tes pieds dans cette parcelle? Je t'avais dit que je ne voulais pas te voir chez moi. C'est quoi ton problème? Maman, bonsoir. C'est qui ta mère? Qui? Ok. Mais, maman, au moins il faut répondre à sa salutation. Avant même de lui parler comme ça, réponds-moi à sa salutation. Désolée, Nedi, bonsoir. C'est qui que tu appelles Nedim? Qui est ta Nedim? Es-tu malade? Ochena, tu n'as vraiment pas honte de toi. Hein? Donc, toute ta vie, tu ne peux qu'être inutile. Tu n'as même pas 100 naira dans ta poche. Mais tout ce que tu sais faire, c'est te balader avec des filles. Maman, nous sommes venus te dire que nous allons nous marier. Oui, je vais l'épouser, maman. Tu veux faire quoi? Épouser qui? Celle-là? Celle-là se passera sur mon cadavre. Ça ne suffira jamais. S'il te plaît, laisse-moi partir d'ici. Je ne veux pas avoir de problème, s'il te plaît. Pourquoi partir? Cette maison est ma maison. Oui, cette maison m'appartient. Ça, c'est ma maison. Ok. Je suis le né ici, le premier fils et l'unique fils. Oui. Cette maison m'appartient. Oui. L'aîné inutile et le fils unique inutile dans cette famille. J'avais oublié. Attends, je t'apporte tous les documents de la parcelle. Comme ça, je vais rassembler mes affaires et partir d'ici. C'est pas grave, je reviens. Ochena, s'il te plaît, attends, tu n'iras nulle part. Reste là, ma chérie, tu n'iras nulle part. Allez où? Veux-tu que ce lien partir? Maman, va-t'en d'ici, je ne veux pas te voir. Reviens. Non. Reviens. N'est-ce pas que tu es le fils aîné? Le fils unique. L'aîné de la famille. L'unique garçon. Quand les gens parlent de fils, qu'on parle aussi de toi. On verra. Je suis vraiment désolée de la manière dont maman vous a traité, toi et ta copine. Ça me dépasse. Je ne sais pas pourquoi maman traite ainsi son fils cynique. En tout cas, je ne sais quoi dire. Au fait, Amaka, il n'y a rien qui puisse faire que les yeux fassent couler du sang. Il n'y a que les larmes. Je sais pourquoi maman fait tout ce qu'elle fait, mais
J'ose vraiment croire que tout ira bien. Je l'espère aussi. Un jour, ça va s'arranger. Je l'espère. Oui. Je me souviens, je vais te donner une somme de 20 000 naira pour que tu vas utiliser pour faire la provision de la maison. Okay. 20 000 naira, grand frère. Mais oui. C'est beaucoup d'argent. Où est-ce que tu l'as trouvé? Au fait, j'étais allé voir un ami à moi qui m'a béni avec cet argent. Je veux que tu fasses la provision avec cet argent. Grand frère, que Dieu bénisse ton ami. Amen. Amen. Parlons de la nourriture et des provisions. Mais maman se rendra compte de ça. Amaka, tu es une fille intelligente. Tu sais très bien que si maman découvre la source de cet argent, elle voudra vraiment ne rien avoir avec cet argent. Alors, je veux juste que tu trouves un moyen pour faire cette provision pour la maison. Ou bien tu achètes, tu mélanges seulement avec ce que nous avons déjà ici à la maison. Ou bien si c'est le cas, maman est très intelligente. Amaka, tu es intelligente. Tu es une jeune fille et tu es plus intelligente. Il faut que tu saches comment trouver une solution. Maman est très intelligente. Oui, je connais maman. Mais je t'ai vraiment supplié de me pardonner. Pardonne-moi, s'il te plaît. Qui t'a dit que j'étais énervée? Je ne suis pas du tout énervée. Loin de là, je comprends tout ce qui se passe entre toi et ta mère. T'inquiète, tu me l'as expliqué et je t'ai compris. Je t'ai dit que, autant marqué par Dieu, tu feras de l'argent. Je crois beaucoup en toi, ça ira. T'inquiète, tu auras beaucoup d'argent, ainsi tu pourras lui acheter tous ses dons qu'elle aura besoin. Ainsi, elle sera très contente de toi. Merci beaucoup, ma chérie. Oui. Dis-moi un peu, est-ce qu'on va se voir ce soir? À quelle heure? C'est lieu habituel. Je serai là. C'est vrai. Je serai vraiment très contente de voir. Mais je dois partir. Non, reste encore un peu plus, ma chérie. Laisse-moi partir avant que mon frère ne commence à me chercher. Ton grand frère doit aller se marier. Sérieusement. Reste encore un peu. Personne ne viendra ici. Oh, allez, laisse-moi partir. Ton grand frère doit aller se marier. Il a déjà plus que l'âge de se marier. Il doit aller se marier. Non, je dois partir. Il doit se marier. Hey, jeune homme. Laisse-la tout de suite. Quand on parle du loup. Non, salut. Désolé. Prends bien soin de toi, d'accord? Bye bye. Je t'ai prévenu à plusieurs reprises maintenant. C'est à toi que je parle. Je t'ai mis en garde plusieurs fois que je ne voulais plus alors plus jamais te voir. T'approcher de ma sœur. Laisse-la tranquille. Elle se marie bientôt. Reste loin d'elle. Je ne te dirai plus à nouveau. Elle va faire quoi? Elle se marie bientôt, tu m'as entendu. Et toi-même, quand est-ce que tu vas te marier enfin? Tu n'as pas l'âge de te marier. Il faut déjà te marier. Tu es vraiment stupide pour me dire ça, ok? Écoute, que ceci soit la première et la dernière fois que je te vois te rapprocher de ma sœur. Reste très loin de ma sœur. Tu n'es qu'un fou. Ose répéter ça. Ça me fout. Appelle-moi encore comme ça. Ose m'appeler fou pour une autre fois. Tu n'es qu'un sale fou. Qu'est-ce que tu vas faire? Sale fou. Que je te revoie et puis t'approcher de ma sœur à nouveau. Idiot. Maman, s'il te plaît, je sais que j'étais vraiment beaucoup désobéi et beaucoup déçu. J'ai besoin que tu me pardonnes. S'il te plaît, maman, pardonne-moi. Je n'arrive plus à me comprendre. Ma vie est vraiment totalement foutue. Maman, s'il te plaît, il faut vraiment que je me concentre. Il faut que je passe à une autre étape de ma vie. Je deviens fou, maman. Je deviens fou. Uchenna, laquelle de tes offenses dois-je pardonner? Tout, maman. Tout. Pardonne tout. Lève-toi. Juste mets-toi.
Merci, maman. Tu es mon fils aîné, rappelle-toi. J'ai vraiment du mal à te pardonner. Mais je vais essayer. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît, maman, pardonne-moi. Ok. Pas de problème. Je vais te pardonner à une condition. À une seule condition. Oui, maman, dis-moi. Je ferai tout ce que tu me diras. Tout, maman. Je veux premièrement que tu puisses arrêter cette relation avec Ifoma. Laisse cette fille. Tu vois? Maman, tu sais que je l'aime. Tu n'es pas prêt à te faire pardonner. Tu n'es pas encore prêt. C'est comme je te l'ai dit tantôt. Le propriétaire de ces champs m'a payé 30 000 naira. Il veut que tu enlèves de l'herbe partout pour qu'il puisse planter les ignames et d'autres cultures. C'est comme je te l'ai dit, tu vas commencer ici. Jusque, tu vois, là-bas. Là-bas. Yeah. Jusqu'au fond, là-bas, au palmier. Mon Dieu. Donc, commence le travail. Mais maman, attends. Je commence ici, jusqu'au palmier. Maman, c'est trop vaste. Maman, tu veux vraiment que je fasse tout ça de moi-même, maman? C'est trop. Tu peux commencer aujourd'hui, Uchenna. Commence. Maman, d'ailleurs, 30 000 naira, c'est beaucoup trop peu pour cet espace. Hein, on devrait parler de 100 000 ou de 200 000 naira, maman, c'est ça. Hein? Uchenna. Est-ce que tu as même 100 naira dans tes poches? Quelqu'un qui nous paye jusqu'à une somme de 30 000 naira juste pour enlever de l'herbe? Et tu es là en train de te plaindre? Peu importe, ne te soucie pas pour ça. Laisse, je vais m'en occuper. Rassure-toi de finir ce travail avant la fin de la semaine, s'il te plaît. Week-end, maman? On parle d'une affaire de 3 mois ici, toi tu me parles du week-end, maman? Non, maman, pour ce travail, il nous faut même un tracteur, maman, c'est pas normal. Vraiment? C'est comme ça que j'avais obtenu l'argent que tu étais allé gaspiller à ton foutu université. Tu vois maintenant? Tu avais dit que tu étais prêt à faire tout ce que je vais te demander, alors regarde. Un simple désherbage de rien du tout. Tu ne peux pas. Uchenna, j'avais déjà pris les 30 000 naira, donc s'il te plaît, fais ce travail. Je m'en vais. Allez chercher un tracteur. On ne peut pas faire ce travail sans le tracteur. Hey! Frère, ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé?
Oui, je vais bien, ma sœur. Comment est-ce que tu t'es fait cette blessure? Tu connais le pays dans lequel nous sommes, n'est-ce pas? Oui, c'est quand j'étais avec mes amis aujourd'hui. On était en train de prendre quelques verres de bière. Et soudainement, nous avons entendu boum, boum, des coups de feu. Des tirs? Tout le monde s'est mis à courir. Tous ceux qui étaient là se sont dispersés. Et moi, quand je voulais aussi commencer à courir, je suis tombé. Et je me suis rendu compte que j'étais blessé à la jambe. Désolé, confrère. Oui, laisse-moi entrer. Viens t'asseoir. Non, continue ce que tu faisais. Laisse-moi entrer à la maison. Je vais nettoyer ma plaie. De l'eau chaude, confrère. Non, ça ne sera pas nécessaire. Amène-moi quelque chose. Désolé, grand frère. Merci. Je suis vraiment content d'être ici. Chai. Sois le bienvenu, mon frère. Chai. Ma mère n'avait pas tort. Chai. Ma femme sera très, très belle. Oui. Vraiment très belle. Mon beau, merci beaucoup. Soyez le bienvenu. Je suis très contente. Au fait, nous sommes très, très contents. Je le dis au nom de la famille. Que mon Dieu remplisse tes poches. Je vous en prie, maman. Je veux rentrer en ville. Ah, ah, oh, oui, 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 oui. Et je vais retourner la semaine prochaine. Mmh. Et on va conclure concernant le mariage. Mais parfois, j'oublie. Opi, rappelle-toi ce que je t'ai dit. Une fois que ce mariage est conclu, je vais aller en ville avec toi. Hey! Osbo, Osbo! Mon patron, beau gosse! Il n'y a pas la vie dans ce village. Pas la vie. Mon patron, beau gosse! Tu vois, c'est ce que j'ai dit en train de dire à mon fils. Hey, il n'y a rien de bon ici au village pour qui que ce soit, y compris moi. Puisque après que tu as épousé ma fille, quand tu vas l'amener en ville, dès qu'elle mettrait au monde, je viendrai moi aussi en ville pour l'aider. Oh, ainsi, oui. Je profiterai de la vie moi aussi. J'ai une somme d'argent pour la mort. Chai. Je le donne. Chai. Ah, ah. Chai. Akulumania. Oh mon Dieu. L'argent. Ça c'est mon beau-frère. Oh. Mon beau-frère. Aucun problème. Merci. Je vais partir et je vais retourner. Chai. Mon patron beau gosse. Mon patron, mon patron beau gosse. Mon patron beau gosse. Hey, beau. C'est lui. C'est comme je te le disais, ma fille. Tu vois, mon beau a de l'argent. Il est très riche. Ça, ce n'est rien. Mon patron beau gosse, mon patron, mon patron. Hey, c'est bon d'avoir des beaux frères. Hey. Mon patron beau gosse. Mon patron. Mon boss, c'est toi, c'est toi, c'est toi le boss. Hey! L'homme le plus friqué. Hey! Hey! L'homme le plus friqué. Mon patron beau gosse. Patron, tu peux aller en sécurité. Mon patron beau gosse, boss, c'est toi le plus friqué. Chai! Patron, c'est toi le boss. Chai! Boss! Je ne veux plus de vos excuses. Donnez-moi mon argent. J'en ai marre de vous. Donnez-moi juste mon argent. Uche, s'il te plaît, j'ai déjà dépensé tout cet argent. T'inquiète pas, je vais enlever des larmes moi-même. Je le ferai demain. Ou soit aujourd'hui même. Non, 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 je veux mon argent maintenant. Uche, s'il te plaît. Uche, s'il te plaît, je vais travailler avec ma mère sur des herbes et ton champ. Je veux que vous me donniez mon argent maintenant. J'ai dit que je veux mon argent maintenant. Monsieur, attendez, attendez. Mais pourquoi vous criez comme ça dans ma parcelle? Et pourquoi vous les suppliez comme ça? Et monsieur, si j'entre dans la maison et je sors ici, vous êtes encore là. Vous et moi allons immédiatement voir une affaire d'homme ici. Oui. En fait, c'est combien d'argent qui vous a donné maman? Uchena. Uchena quoi? Il a amené combien ici? 1 milliard? Seulement 30 000. Monsieur, si j'entre et je ressors ici, on va voir une affaire d'homme ici. Uchena. Pourquoi il dérange ma famille comme tranquille. Ça? Méchante famille. Je vais vous accuser, chez les Igwe. Igwe doit entendre ça. Igwe doit entendre cela. Ça ne peut pas s'arrêter là. Oh, Seigneur. Non, laissez-moi. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Dites-moi, il est où? Je vais utiliser ça sur lui. Qu'est-ce que tu veux faire? Allez, vas-y, tue-moi. Maman, il est où ce monsieur? Tue-moi, je t'ai dit. Tue-moi. Maman, arrête ça. Je suis là, Uchena. Maman, c'est pour lui. Il faut que je le tue. Tue-moi. Hein? Tue-moi, Uchena. Oh, mon Dieu. Oh. Hey. Mon Dieu. Hey, Seigneur, mais c'est quoi ce genre d'enfant? C'est quoi?
Amaka. Oh, je suis vraiment fatigué. Mais elle est où? Amaka. Amaka, comment vas-tu? Hey. Amaka. Amaka, mais tu étais où depuis tout ce temps? J'ai crié ton nom partout ici. Et en passant, où est maman? Elle est restée au champ. Je viens de là. Quelle ferme, Amaka? Le champ de Mazia Mechi. Maman, oh... Amaka, ne me dis pas que maman est encore allée à la ferme de cet homme. Hein? J'ai déjà dit à maman de ne pas aller et que j'allais me battre à fond pour trouver cet argent et finalement le lui retourner. Hein? Confrère, mais où est-ce que tu vas trouver tout cet argent? Amaka, j'ai l'argent maintenant. Je peux te le donner pour aller donner à maman maintenant. Nous avons déjà commencé le travail. Jésus. Cet endroit est vaste. Oh. Hey. Maman, Amaka. Toutes les deux, vous allez laisser ce travail et je vais le continuer. Non. Je serai là jusqu'à ce que le travail sera terminé. Ah, ah. Maman, est-ce que cela signifie que tu ne crois pas que je ferai ce travail? Ou c'est quoi? Uchenna, s'il te plaît, je ne veux pas de tes embrouilles. Je ne veux pas que tu abandonnes de nouveau. Je serai là jusqu'à la fin. Maman, mon grand frère a dit qu'il le fera. D'ailleurs, il n'y a plus un grand travail. Mais je viens de dire que je serai là personnellement pour voir comment il va finir le travail. Va vérifier si la nourriture est prête. Je dois aller au champ. Il faut que je parte ce matin. Ok, maman. Donc, tu seras là pour superviser. Mm-hmm. Maman, s'il dit qu'il le fera, alors pourquoi y aller? Nous allons partir. Even if you climb a miracle tree, you can never, never see it, my child. What's another sister down? Even if you climb a miracle, you can never see it. Oh, what is your plan? You run, run faster than your shadow. You want to make it bigger. Stop and fly for last the gods, last the grace. What is your problem? What is the matter? How can you be well? Tu ne peux donc pas voir qu'il s'aime. Je n'ai pas besoin de voir quoi que ce soit. Ce dont Uchenna a besoin maintenant, ce n'est pas l'amour. La concentration. Il doit se concentrer sur comment améliorer sa vie. C'est quoi ça? Je t'avais dit de laisser cette fille tranquille, mais tu ne m'écoutes pas. Elle ne contribue pas positivement à ta vie. Rentrons à la maison. Avance et arrête de regarder derrière. Ifi, ma sœurette, je veux que tu sortes de ta tête, cet imbécile. Oui? Tu sais que très bientôt, tu vas te marier et quitter ce village. Alors, je veux que tu restes focus. Est-ce que tu comprends ça? J'ai entendu. Bien. Bien, je veux que tu ailles au marché pour acheter tout ce que tu es supposé acheter, hein? Je te verrai plus tard dans la soirée à la maison, d'accord? D'accord, prends soin de toi. Ça c'est bien, gentil Fio. Prends soin de toi chérie, d'accord? Sois prudente. Khalid, 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 au secours, aidez-moi, Khalid, Khalid, non, laissez-moi, laissez-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Amène-moi à la maison. Hey! Viens, 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 viens.
Marché. Quand je revenais, il y a des garçons m'ont attrapé. Ils ont couvert leur visage de masque. Ils m'ont fait entrer dans une maison. Ils m'ont violé. Comment est-ce que ça peut être possible? Comment est-ce possible, mon Dieu? Je n'en reviens pas. Comment est-ce possible? En plein jour? Hein? Mais est-ce que... Non! Ogo, je crois qu'on doit l'amener à l'hôpital, maintenant même. Peut-être qu'elle a chopé quelque chose là-bas. Hein? Ma fille, s'il te plaît, maman, dis-moi que ce n'est pas mal. Vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai, je te croirais. J'ai très mal, maman. Hey! Je dis qu'on doit premièrement aller à l'hôpital. Ok, c'est bon, mon beau. Un instant, donne-moi le temps de me changer, j'arrive. Hey, mon Dieu. Maman? Comment puis-je être dans ce village et qu'une telle chose se produit alors que je n'en sais rien du tout? Comment? Hey! 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 C'est incroyable. C'est inadmissible. Comment les garçons de ce village, comment des hommes peuvent violer ma fille? Quel crime est-elle commis? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Maman! Mais qu'est-ce qu'Ifoma a fait de maman, mal? Je vais en finir avec ce garçon, Uchenna. Je vais en finir avec lui. Grand frère, entre nous soit dit, Uchenna n'a rien à voir avec tout ceci. Uchenna n'a pas une mainmise là-dessus. Il n'en connaît rien du tout. Ne l'as-tu pas vu avec sa mère aller au champ? Pourquoi tu défends toujours ces fous? Hein, Ifoma, pourquoi tu as toujours quelque chose à dire pour protéger ces fous? C'est parce que je sais qu'il m'aime. Uchenna ne peut pas me violer. Il va me violer. Pourquoi? J'étais violée par des hommes. Et Uchenna n'était pas parmi eux. Et s'il était parmi eux, je saurais. Ifoma, sache que tout ce que tu es en train de raconter à l'instant ne va pas m'arrêter à en finir avec ce garçon Uchenna. Je dois en finir avec lui. Parce que je crois bien que c'est lui qui s'est arrangé avec ces deux violeurs qui t'ont violé. Il s'est arrangé avec eux. Hey! Hey! Ifoma, ma fille. Hey! Evo, ma fille. Tu as été violée par des hommes inconnus? Ah! Comment peuvent être aussi méchants? Hein? Maman! Si je pose mes deux yeux sur eux, je vais le massacrer. Ils seront consommés comme des ignames. Aïe! Maman, maman, je sais quoi faire. Des hommes au même moment, contre toi seul. Hey. Et toi, attends là. Oh, gros chien, comment vas-tu? Bonjour à toi. Dis-moi mon gars, comment ça va? Non, chien, mais ça signifie quoi tout ça? One man show. Mais tout ce que tu dis là, c'est quoi? Je n'arrive toujours à rien comprendre. Pourquoi tu bouges ton corps comme ça? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Allez. Arrête-moi ces grimaces là que tu fais. Tu ne me fais pas tu peur peux du rien tout. Me faire. Il n'y a rien du tout. Arrête-moi ces grimaces, fou. One man show, c'est tout ce que je t'ai demandé. Tu n'arrives même pas les à bons chiens n'aboient pas. Mais ils mordent. Comment vas-tu maintenant? Nous mordons, nous n'aboyons pas. Viens mon gars, bien joué. Très bien.
Désolée. Confrère, mais pourquoi tu aimes toujours te mettre dans des problèmes? N'essaie surtout pas de me mentir que tu courais par après, tu es tombé et tu t'es fait ça. Parce que je sais que tu étais allé là-bas à te battre. Mais pourquoi ne réponds pas aux appels comme ça? Hein? Qui ne décroche pas l'appel? Il faut moi, bien sûr. Hein? Confrère, je crois bien que maman t'avait demandé de rester loin d'elle. Vous n'allez pas comprendre. Hey, Amaka, mais fais-le doucement. Je fais doucement. Désolée. Hey. Pourras-tu encore te battre prochainement? Uchi, arrête de m'appeler, non? Arrête de m'appeler. Non, arrête de m'appeler, non? Arrête de m'appeler, s'il te plaît. Je vais te rappeler après. Arrête de m'appeler, arrête. Hé, hey, je ne comprends pas ça. Hein? Ngom, je ne sais ce qui se passe avec cet homme. Hein? Pourquoi il ne prend pas mes appels? Depuis que je l'ai appelé, il ne décroche pas, oh. De qui l'on parle-tu? Bien sûr que c'est de ton mari, en devenir, il fait bien. Je ne sais pas pourquoi il ne décroche pas. Mais s'il ne te répond pas, tu laisses tomber, non? Laisse-le tranquille. S'il ne répond pas, jette l'éponge, repose-toi. Quand il sera prêt à parler avec toi, il va te rappeler. Hé, hey, Ifi, pourquoi tu dis ça? Ce n'est pas bien, non? Tout est déjà fin prêt pour le mariage. Alors nous devons initier le processus, déjà. C'est le temps maintenant. Et tu n'as qu'à aller chez lui dans ce cas, non? Va le lui demander. Pose-lui la question de savoir pourquoi il ne prend pas tes appels, parce que c'est normal. C'est lui qui t'a acheté ce téléphone. Ada, pourquoi tu peux tenir ce genre de propos, non? Ce n'est pas du tout bien. Il se peut qu'il ait rencontré quelque chose de mal. Qui sait? Hein? Mon Dieu, que rien de mal ne lui arrive. Uche, que fais-tu ici? Donc, ça veut dire que c'est lui le criminel. C'est ce stupide garçon qui ne me laisse pas reposer ma tête dans cette maison. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Hein? Il faut moi. Qu'est-ce qui se passe? Non, qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment essayé de te joindre, mais tu ne répondais pas à mes appels. Mais, il se passe quoi? Ce qui ne va pas, c'est ta présence ici. Va-t'en maintenant. Non, maman, pas avant que Ifoma me dise qui l'a violé. Et me dire pourquoi Ikuike est venu me battre avec son ami. Quoi? Ikuike a fait quoi? Peu importe ce que Ikuike t'a fait, tu le mérites. D'ailleurs, tu mérites plus que ça. Ifoma, rentre ici. Rentre ici, Ifoma. Si tu arrives pas à partir avec lui, tu ne rentreras plus dans cette maison. Ifoma. Ok, continue de le suivre. Pas de problème. Tu finiras par rentrer ici. Ifoma, mais qu'est-ce qui se passe ces jours-ci? Je n'arrive pas à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas su qu'il était venu te battre. Dis-moi la vérité. Est-ce qu'on t'a vraiment violé? Oui. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Mais pourquoi tu ne répondais même pas à mes appels? Si on sait, je serai toujours là. Rien ne va me séparer de toi. Je vais toujours être là pour toi. Mais pourquoi tu dois payer tout ça toute seule? C'est à cause de ce que tu fais maintenant. Uchi, tu sais que je n'aime pas te voir dans cet état. Je n'aime pas te voir en train de chagriner. Je ne voulais pas te voir en train de t'inquiéter. C'est pourquoi je n'ai pas voulu te le dire. Désolé, je n'étais pas là pour te protéger. Je suis désolé. Mais deux hommes t'ont violé. Si seulement je pouvais aller les chercher et mettre la main sur eux, les attraper et vraiment les battre.
Écoute, écoute-moi. Écoute-moi, Uchenna. Il n'y a rien qui ne va pas avec moi. Nous étions allés à l'hôpital pour checker, voir s'il y avait peut-être j'étais infectée ou quelque chose du genre. Le docteur a dit que je vais bien, je suis en bonne santé. Je suis vraiment désolé. J'aurais souhaité pouvoir faire quelque chose. Si seulement je pouvais changer quelque chose ou faire quelque chose. Si seulement je pouvais. Si seulement je pouvais. Je t'aime. Je t'aime aussi. Oui, je t'aime. T'aime. Je t'aime. Je t'aime, chérie. Je t'aime, ok. C'est bon. Ça va aller. Je suis là. Je suis là, chérie. Tu sais que j'aime bien ça. Kené. Libéo. Je savais que j'allais vous voir ici. Et alors quoi? Hein? Laisse-moi te demander. Et alors quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, ma petite amie a été violée. Alors je suis venu jusqu'ici pour vous demander si c'est bien vous qui l'avez fait. C'est quel genre de question stupide ça? Hein? Mais d'une tête de voleur? Mon cher, ça c'est rien, non? Ce gars est un malade. C'est un vrai taré, ce gars. Ah! Écoutez, ma petite amie a été violée par deux hommes. Et elle m'a dit, confidentiellement, que les deux hommes qui l'ont violée portaient des masques. Par conséquent, je suis ici, pacifiquement, vous demandez si c'est vous deux qui l'avez fait. Tu ne sais plus où se trouve la station de police? D'ailleurs, laisse-moi te demander. La fille en question, hein? L'as-tu déjà épousée? Hein? Ou bien as-tu payé sa dot? Alors, pourquoi est-ce que tu me poses toutes ces questions, non? Fais bien attention à toi, hein? Uchenna, fais bien attention à toi. Je comprends maintenant tout par ce que vous dites là. Selon toutes les indications. Donc ça, c'est un oui. Donc vous l'avez fait. Uchenna, quel tonnerre ça bat sur toi. Mon cher, quitte de cette place maintenant. C'est déjà assez mal comme ça que tu nous dois dire que tu es là. Et tu viens ici pour nous insulter. Non mais tu imagines. Tu parles de n'importe quoi. Sérieux? Ça. Non, attends, Kené, moi j'ai dit des bêtises. Parle de n'importe quoi. Kené, j'ai dit des bêtises. Ma petite amie a été violée. Et moi je suis là pour poser des questions. Et tu dis que j'ai dit des bêtises. Ou tu dis n'importe quoi. Nous dirons encore, encore, encore et encore. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça. Toi aussi. Quand nous sommes entrés à l'intérieur, elle était déjà ouverte. J'avais d'ailleurs oublié que qu'elle avait déjà fait avec plusieurs hommes d'ailleurs. Mais Kené, c'est quoi? Sérieux? C'est quoi, qu'est-ce que tu as osé faire, hein? Laisse-moi comme ça. Je vais tuer Malagawa. Arrêtez, laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Je vais le frapper, laisse-moi. Laisse-moi, je vais le frapper. Ah, pour qui est-ce qu'il se prend? Non, je vais te frapper. Ne blague pas avec moi, je vais te frapper. Qu'est-ce que tu penses? Tu es malade? Calme-toi. Ah, pas ici. S'il vous plaît, pas ici. C'est un coup de route, non? En tout cas, je peux bien vous rassurer. Je n'ai pas qu'on termine avec vous. Vous de là, vous aurez de mes nouvelles. Attends, vous aurez de mes nouvelles. Écoute-moi, oui, mon gars, voilà, je vais le refaire à nouveau. Je vais encore ce que je vais te faire. Je vais le faire. Je vais la violer à nouveau. Elle n'est même pas si cruelle. Elle n'est même pas ta femme. Voilà qu'il vient de dire n'importe quoi. Comme si elle était belle d'ailleurs. Elle n'est même pas sucrée. Alors arrête de me raconter n'importe quoi. Elle n'est même pas belle. Sérieux. Mec, si ce n'était pas pour une raison, ce que j'aurais fait à ce gars. Pourquoi tu veux te battre? Fallait pas me retenir, oh. Pourquoi tu veux? Fallait pas me retenir, mec. Fallait me laisser le frapper sérieusement. Attends, où est passée ma cigarette? Oh oui, vraiment? Donc tu as eu les kilos d'aller avec tes vauriens d'amis pour aller battre Uchenna? Oui. C'est à moi que tu parles de cette façon? C'est à toi que c'est je m'adresse. C'est à moi que tu parles de cette manière? Je n'ai plus aucun respect pour toi tant qu'au grand frère. Je n'en ai je plus. Je vais te gifler. Oh, si tu mon continues Dieu, par je vais te faire cette façon. Es-tu malade? Excuse-moi. Ce n'est pas possible. Non. Ce n'est pas possible. Non, 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 non. Ça n'arrivera pas. Oh maman, non. Ça n'aura pas lieu. Non, 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 ça ne peut pas se faire. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Non, ce n'est pas vrai. Maman, qu'est-ce non, qu'il y a? Non. Qui a-t-il, hein? Maman? Qui veut dire tout ceci? Non, Biko, quoi, non. Faites-moi comprendre. Dites-nous le problème et nous comprendrons. Hey! Non, qu'est-ce qu'il y a? Chine Kemé, c'est Fébia. C'est depuis le matin que j'ai appelé Fébia. Il ne me répond pas. Mes ennemis se sont encore levés contre moi. Fébia ne répondait pas à mes appels depuis tout ce temps. Maintenant qu'il me rappelle, il a dit, je viendrai vous rendre visite d'un moment à l'autre.
Mais au moins, nous devons savoir qu'il n'est plus intéressé au mariage. Il ne veut plus épouser notre fille. Hey! Quoi? Il est un fou. C'est pas possible. Il est un grand fou. Maman? Ça peut être vrai, maman, ça? Maman, attends. Si Fabien n'épouse pas ma soeur Ifoma, cela voudrait dire que je n'irai jamais en ville? Ça, ce n'est même pas mon problème. Hey! C'est que je n'ai jamais été humiliée toute ma vie de cette façon. Oh mon Dieu. Je n'ai jamais été insultée autant. Il m'a insultée. Sais-tu ce qu'il m'a dit? Quoi donc? Il dit la raison pour laquelle il ne peut plus épouser ma fille, c'est parce qu'elle est devenue un produit de seconde main. Il dit que ma fille pour qui je me vantais et que ma fille pour qui j'étais fière à cause de sa beauté étendue partout est devenue un produit chinois. C'est sa mère qui est un produit fini. C'est sa grand-mère, ses aïeux ancêtres qui sont des produits de chinois. C'est sa mère, sa grand-mère, ses aïeux, ses ancêtres qui sont des produits chinois. Comment on peut dire ce genre de choses? Hein, maman? Est-ce que je me suis fait violer des grès? Hein? Est-ce que je me suis violée moi-même? Hein? En quoi cela est ma faute? Vas-tu la fermer? Tu vois ce que tu as causé? Donc, le fait que nous perdons toute cette fortune... Tu vois ce que tu as fait? ...ne t'est dit absolument rien. Buko, on ne doit pas perdre ce jeune homme. Trouvons comment le ramener. Trouvons comment laisser plier. Nous ne voulons pas que quelque chose de mal lui arrive. Ramener qui, maman? Ifoma. J'ose croire que ce n'est pas un scénario que tu as monté avec ces garçons du village pour que ce jeune homme mette pas la terre. La raison qui le pousse à dire tout ceci, c'est parce qu'il voulait une vierge. Très simple. C'est ça la raison pour laquelle il est venu au village pour avoir une vierge. Et ma fille, il faut était vierge. Maman, arrête. Maman, comment tu peux dire ça? Je ne me suis pas mise dans ces pièges de viol de grès. Voyez-moi ça. Tu m'as insinué que c'est moi qui ai organisé ces viols. Comment est-ce possible? Maman, qui peut faire ça? Je n'ai jamais accepté ce jeune homme, mais j'étais contrainte de l'accepter pour vous rendre heureux. Si je voulais l'épouser, vous n'alliez pas insister. Maman, maintenant que vous m'avez forcé la main, vous dites que je me suis fait c'est violer. C'est toi qui nous a poussé à insister encore et encore. Si tu étais restée vierge jusque maintenant, est-ce qu'il allait briser le processus? D'ailleurs, le vieux ne fait pas de toi une déflorée. Tu es toujours vierge. Hey! Il ne fait pas de toi des vergers. Maman, tu es la mère la plus égoïste de la terre. Tu es la plus méchante. Tu es la fille la plus méchante de la terre. Hey! Qui mettra encore la nourriture sur notre table? C'est qui mettra pas encore maman, de la nourriture maman, sur maman, notre attends, table? Maman, ici. Il faut maman, rentre ici. Maman, que tu le veuilles ou pas, tu vas l'épouser. Que tu sois des vergers ou pas des vergers. Maman, attends d'abord. Il t'épousera. Maman, reviens ici. Maman, attends. Allez, lâche-moi. Tu n'as pas un autre homme, c'est lui maman, ton attends, homme. Maman, attends. Tu dois continuer à supplier Fabiano pour venir épouser ma soeur. Oui. Essaye de le promettre, laissez-le la terre. Promets-lui n'importe quoi. Hein? Parce que il doit épouser ma soeur afin exactement que j'aille en ville, ok? Tu dois aller vivre en ville. Maman, moi, je dois aller en hey, ville. Moi, de même. Je dois aller vivre en ville. Je dois Aller de la vie, désévoluer. Tu peux partir si tu veux, mais tu me retrouveras dans cette maison. À ton retour, Tu vas l'épouser. Arrête de gaspiller ton temps avec ces gaillards zéro. C'est fait bien son homme. Il va l'épouser. Il n'est pas le verger. Il est vierge. Maman, appelle-le d'abord, s'il te plaît. Elle viendra me trouver. Appelle Fabien. Compose son numéro. Je ne sais plus comment retourner dans cette villa. Et maintenant, les gens que j'appelle amis veulent faire ça. Si jamais je me remettais sur cette voie-là, cela va définitivement tuer ma mère. Mais comment puis-je le laisser libre comme ça après qu'il ait violé ma petite amie? Comment je vais faire pour couvrir une telle honte? Je ne suis plus un homme ou quoi? Ne suis-je plus l'homme que tout le monde craignait sur le campus quand nous étions à l'université? Non, il faut que j'enseigne à ces stupides garçons une leçon très amère. Je sais qu'ils seront assez préparés pour moi, mais moi, je ne les ai pas offensés. Je ne leur ai rien fait de mal. Je ne leur ai vraiment rien fait du tout. Uchenna! Maman. Pourquoi es-tu debout jusqu'à cette heure? Tu étais censé être au lit en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Je sais. Je sais ce que tu traverses. Voilà pourquoi je te demande toujours de te calmer. Tu
Tu as fait beaucoup d'erreurs, pas mal d'erreurs dans le passé. Voilà pourquoi je te demande de te ressaisir et de te concentrer. Sois concentré. Sois focus. Je sais, maman, mais je suis vraiment confus. Je suis confus. Tu ne dois pas l'être. Ça va aller. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Les choses vont s'arranger au moment opportun. Juste sois concentré. Je pars m'y coucher. Hé, hey, Amaka! Où es-tu, toi, cette diablesse? Tu es là! Tu es là! Avertis ton fils! Avertis ton fils! Oh. Je lui ai dit de rester loin de ma fille. À maintes reprises, il ne veut pas écouter. Qu'il reste loin d'elle, oh! Oh! Donc, ta stupide fille qui suit mon fils partout, comme le chien suit l'os, ne t'a donc pas dit combien de fois je l'ai chassé de cette parcelle? Mais qu'on va lui dire que la prochaine fois que je la verrai, attends, je vais la défigurer. Qu'est-ce que tu racontes? Sors ma parcelle. Hey. Dis-lui que la prochaine fois que je la verrai chez moi, je vais la défigurer. Est-ce que tu vois comment tu es? Est-ce que tu te regardes bien? Toi, toi et ta famille, vous prenez pour je qui? Je le répète. Qui est-ce que vous êtes devenu pendant tout ce temps? Qui est-ce pour que tu as dit? Attends, je vais finir avec ça aujourd'hui. Outina, je suis désolée. Je suis vraiment confuse. Mais comment ta mère peut venir se battre avec ma mère? Je ne reviens pas du tout. Chérie, tu sais très bien qu'elles sont en train de faire tout de leur possible pour nous séparer. Mais elles vont échouer. Je te dis. Amen. Elles vont toujours échouer. Elles ne vont jamais réussir. C'est ce qu'elles essayent de faire. Je sais pourquoi ma mère est autant fâchée. C'est à cause de ce soi-disant fiancé qui était venu me proposer en mariage. Il a appelé pour lui dire qu'il n'est plus intéressé de ce mariage. Non, tu mens. Je suis très heureux d'entendre ça. Sérieusement? Ne t'occupe pas de ce jeune homme, c'est un impressionniste. Mais que serais-je devenu Moi de même. Si je t'avais perdu. Si tu vois ce combat qu'il y a chez nous ces derniers temps. Hein? Mon frère crie dans son coin. Ma mère aussi, dans son coin. Il a crié comme un gros chien. Il a crié jusqu'à pleurer. Mais que serais-je devenu si je t'avais perdu? Ils ne sauront nous séparer. Nous vivrons toute notre vie ensemble. Je vais te laisser pour aller Personne où je suis là. Personne ne nous séparera. Les deux tourterons. Vous n'en avez pas marre? Ayez un peu honte de vous. Regarde comment il la porte. Tous les deux, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Quand vous êtes là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Que puis-je faire pour vous? Il pose des questions. On est venu juste pour te saluer. C'est que vous avez fait déjà pire. Qu'est-ce que vous allez encore faire de plus? Non, ce que vous avez fait, c'est déjà le pire. Qu'est-ce que vous allez encore faire? Rien du tout. Alors épargnez-moi de vos salutations et partez d'ici. Est-ce une mauvaise chose pour nous de venir te saluer et te dire que nous t'aimons bien sûr, que nous t'aimons malgré ce qui s'est passé? Vous avez violé ma petite amie et vous parlez encore. Vous êtes encore là pour dire des bêtises. Uchi. Voyez-moi ces bêtises. Tu veux dire que ce sont eux qui m'ont violé? Allez-vous-en d'ici! Allez-vous-en! Qui est-ce toi, que c'est toi? Tu es malade? Tu es malade? Tu es malade? Oui! Tu es malade, toi? Tu vas te faire payer, vous de là! Je vois que tu vas aller voir aujourd'hui! Je vous ferai payer! Je vois que tu es malade! Les sorciers, meilleurs que vous êtes! Oh mon dieu! Quelqu'un peut m'aider? Il faut ma! Ifoma, s'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît. Ifoma, maman, qu'est-ce que c'est? Maman, ils ont arrêté Uchenna, ils l'ont conduit à la station de police. Quel Uchenna? Ton fils, bien sûr. Non. Uchenna était dans la maison il y a quelques minutes. Quand est-ce qu'il est sorti et s'est fait y arrêter? Maman, j'étais là en train de laver les habits quand Ketchy est venu me dire qu'il y avait un problème.
Qu'est-ce qui s'est passé? Grand frère Uchena était en train de se battre avec deux garçons quand l'un d'eux a accidentellement poignardé Ifoma. Ifoma? Qui est cette Ifoma? Attends. Celle que je lui avais demandé de s'en éloigner? Oui, maman, j'ai appris qu'elle est morte. Hé! Hey! Chibo! Chibo! Hé! Hey. Oh! Oh! Oh, Dieu! Hé, hey, hey. Maman! Maman! Hey, maman! Hé! Hey. 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 Oh. Oh. Mon Dieu! Hé! Hey. Chibo! Hé! Hey. Qu'allons-nous faire maintenant, maman? Hé! Oh. Hey. Hey, mon Dieu! Mon Dieu, c'est pas vrai! Ifoma, ma fille! Ifoma, ma fille, est allée loin avec cette désobéissance. Ma fille a refusé de m'écouter. Je l'ai suppliée. Si elle pouvait au moins m'écouter, elle ne serait pas arrivée où elle est maintenant. J'ai organisé un mariage merveilleux pour elle. Elle a dit non. Ok. Reste vivante pour moi. Au moins, je serai en train de te voir à mes côtés. Elle ne veut pas. Maman, Ifoma était juste très, très têtue. Vois comment est-ce qu'elle a fini avec tout ça. Okui, c'est vraiment triste que ta petite sœur Ifoma soit morte juste comme ça. Personne ne sait quand la mort peut venir frapper à sa porte. Ifoma le savait. Exact. Tout d'abord, elle s'est permise de se laisser violer. Maintenant ceci. Elle est restée têtue jusqu'à la fin. J'ai vu les hommes qui ont fait ça. Leurs visages me sont vraiment familiers, mais je ne sais pas comment, ni où. Tu essaies de me dire que ce n'est pas Uchena qui a tué ma fille? Oui, maman. C'est pourquoi vous ne devriez pas les faire arrêter. Cela ne fait aucune différence pour moi. Cela ne fait aucune différence. Uchena est le seul qui a commencé ce combat. Il savait que ça finirait ainsi. Et donc, laissez-le pourrir en prison. Okui. Okui, arrête ça. Il est innocent. Il est innocent. Honnêtement. Toute association. Ifoma avec ces stupides garçons. Uchena ne m'ont rien apporté de bon. Si ce n'est le chagrin et des douleurs. J'ai averti ma fille. Ce n'était pas moi ce jour-là avec lui. Qui sait? Peut-être qu'elle ne serait pas morte si elle pouvait au moins être attentive à mes conseils. Peut-être qu'elle serait dans la maison de son mari. Tu n'auras jamais la paix, Uchena. Tu n'auras jamais la paix, Uchena. Maman, je pars à la station de police, j'apporte de la nourriture à Uchena. La nourriture? Oui, maman. Donc, laisse-moi voir. Maman, mais qu'est-ce que tu essaies de faire? Maman? Je ne te permettrai pas de gâcher ma nourriture. Mais maman, je ne gâche pas ta nourriture. Je la porte à ton fils qui est en détention. Je ne te laisserai pas apporter ma nourriture à Uchena. Laisse-le se débrouiller seul. Mais maman, tu aimais beaucoup Uchena. Alors, pourquoi cette haine? Pourquoi tu les aimes maintenant? Laisse-moi. En ce qui me concerne,
Uchenna est mort. Je n'ai plus de fils. Non, maman. Maman, non. Tu ne peux pas dire ça, maman. Je t'en prie, arrête. Allez, maman, s'il te plaît. Arrête de parler de la sorte. Uchenna est toujours ton fils. Uchenna est mort pour moi. Maman, les paroles ont un pouvoir, arrête. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre. Dans ce cœur, non. Il n'y a plus rien d'Uchenna là-dedans. J'avais un fils. J'avais un fils. J'avais un fils qu'on appelait Uchenna. Uchenna est mort pour moi. C'est bon, maman. Non. À moins que tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas. Tu ne comprendras pas, Maga. Maman, ça va aller. Allez. Non. Je suis venue vous présenter des excuses au nom de ma famille. Je vous en prie, pardonnez-nous. Maman. Nous sommes désolés. Maman. Je ne connais pas cette fille. La connais-tu? Je ne la reconnais pas, mais son visage me paraît familier. Je suis Amaka, la petite sœur d'Uchenna. Quoi? Hein? Es-tu venue te moquer de moi? Non. Es-tu venue te moquer de moi après ce que ton frère a fait? Maman, je suis vraiment désolée. Je suis venue vous supplier pour que vous enlevez les charges qui sont contre Uchenna. Maman, il est innocent. Il m'a raconté tout ce qui s'est passé. Il m'a dit que le gars avec qui il s'est battu, ce sont eux qui avaient violé Ifoma. Et c'est encore l'un d'eux qui l'avait poignardé. Ce n'est pas lui qui l'avait tué. Et comment penses-tu que nous puissions croire en cette histoire? Tu ne fais que tourner le couteau dans mon plaid. J'ai dit la vérité. Tu viens juste de me choquer. Mais ok. Nous avons entendu. C'est bon. Tu peux partir. Je peux partir? Pars! Dans ce cas, les policiers vont libérer mon frère de la prison. Jeune fille. Donc ma soeur Ifoma se trouve actuellement encore à la morgue. Et tu es ici. Nous demandons de faire relâcher ton frère Uchenna. Vas-tu sortir de ma maison? Va-t'en! Vas-tu sortir de cette maison? C'est quoi ça? Peux-tu imaginer? Si je revois tes jambes dans cette parcelle, je te les arracherai! La seule chose qui l'intéresse, c'est la libération de son frère. Sérieusement? Très égoïste! Et à la morgue. Écoute, mon frère. Ce n'est pas vraiment intéressant. Mais je pense... Écoute-moi. Je n'en ferai pas partie. Oui. Tu sais tout pourtant. Tu sais comment est-ce qu'ils ont violé et tué ma sœur. Tu le sais bien. Écoute-moi, Okwe. J'étais avec toi pour battre Uchenna parce que je pensais que c'était lui qui avait violé ta sœur. Donc, qu'est-ce que tu es en train de dire? Que tu n'es plus avec moi? Nous sommes amis, Okwe. Donc, la vérité ici est que j'étais là quand tout est arrivé. Oui, Ifoma a pris le couteau à la place de Uchenna. Quoi? Oui. Et son dernier mot à Uchenna était « Je t'aime ». Non. Avant de donner son dernier souffle. Je t'aime. S'il te plaît, Amaka ne me laisse pas. Je t'aime. Aide-moi. Je t'aime. Non! Okwe, Okwe, non. Okwe, écoute-moi, arrête ça. Du calme. Non! Okwe, tu cries, tu cries. Okwe. C'est ça la vérité. Maman, pourquoi es-tu si à l'aise pendant que ton fils est en détention? Amaka, que veux-tu que je fasse?
Maman, fais quelque chose. Encore mieux, va lui rendre visite. Ou trouve-lui un avocat. Ou soit, va voir les anciens pour qu'ils nous aident. Juste, fais quelque chose. Amaka. Je t'avais dit que j'avais fini avec l'histoire d'Ujena. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée avec Ujena. La fois passée, tu avais dit que Ujena était mort pour toi. Et maintenant, écoute ce que tu dis. Maman, laisse-moi te poser une question. Ujena est-il le seul licencié qui n'a pas de travail? Ou soit est-il le seul pauvre dans ces villages? Réponds-moi, maman. Amaka. Amaka. Tu ne vas pas comprendre. Si tu n'étais pas allé à l'université jusqu'aujourd'hui, c'est à cause d'Ujena. Et qu'est-ce qu'il m'a payé en retour? Maman? Hein? Te souviens-tu encore que le mois prochain, c'est les examens? Et je n'ai pas payé pour ça. Le mois prochain? Oui, maman. C'est combien? 25 000 naira. Hein? 25 000? Mais c'est vraiment beaucoup d'argent. Hey. Je n'ai rien pour payer le frais. Alors, maman, qu'est-ce que tu en dis? T'inquiète. Tu vas payer. Merci, maman. Merci. Ah, maman. Tu sais bien que moi aussi, je n'ai pas encore payé le frais pour l'école. T'inquiète pas. Je vais trouver une solution. Tu vas payer. Hey, je suis très contente. Remercie ton père pour moi. Hein? Aucun problème, aucun problème. Je le remercierai. Qu'est-ce que je ferai sans vous? Et j'ai promis de payer sa dette à la fin du mois. Je dois problème. Aller travailler dans quelques fermes de particuliers. Donc, dès qu'il me paye, je viendrai les voir. C'est d'accord, aucun problème. Je le remercierai. S'il te plaît, j'aimerais encore vous demander une chose. Hein? Tu sais, depuis que j'avais perdu mon mari, je fais faillite avec mon business. Plus rien ne marche. Alors j'aimerais te demander de m'aider et causer avec ta sœur qui vit en ville pour qu'elle prenne Amaka avec elle. Comme ça, je resterai m'occuper de l'autre là. Ok, ok, aucun problème. Je parlerai à ma sœur. Exact, je parlerai avec elle. Hein? Non, il n'y a aucun problème. Hey! Je parlerai avec elle. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je te suis très reconnaissante. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. T'inquiète pas. Dès qu'elle finit l'examen, je vais l'envoyer ouais. chez ta sœur. Aucun problème, aucun problème. Je dois rentrer maintenant avant que mon père ne revienne. Okay. Prenez soin de vous. Allez, bye bye. Merci. Très bien. Je le ferai. Cette raison que je ne t'avais pas vu durant 10 ans, Amaka. 10 ans! Au-delà de tous mes avertissements et conseils, Ujena est quand même allé rejoindre les mauvais gangs. Une bande de voleurs. Un jour, il était revenu à la maison avec une joue enflée. Et il m'a demandé de me changer d'école. Pendant que j'avais déjà payé tout le frais. Et le cours avait déjà commencé. Et tu sais que cela n'a pas été facile pour moi de le faire. Mais je l'ai quand même fait. Ujena, qu'est-ce que c'est que ça? Étais-tu allé te battre là-bas à l'école?
Maman, il y avait bagarre aujourd'hui à l'école. Ma propre classe est la classe supérieure. Alors j'ai essayé de me défendre, mais ils m'ont tabassé. Hey! Dieu! Uche! Donc tu as décidé de te battre pour résoudre un problème, et c'est là avec tes collègues. Vous n'avez pas de principal? Tu aurais dû aller lui exposer les problèmes. Il n'avait pas moyen de signaler les principales, maman. Hey! Ah! Je ne vais pas accepter ça. Je ne vais pas l'accepter. Ne refais plus jamais cette bêtise. Va à la maison. Y a-t-il quelque chose? La nourriture. Tu vas manger la bagarre aujourd'hui. Allez, dégage des larves, attends. Manger, c'est tout ce que tu sais faire. Uchena, mon fils, ça fait mal. J'ai mal. Maman, j'ai mal. Je suis désolée. Désolée. Merci. Maman. Oui, mon fils. J'ai quelque chose à te dire. Oui. Allez, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Maman, s'il te plaît, je ne vais plus retourner à l'école. S'il te plaît. Uche, c'est à cause de la bagarre, mon fils? Oui, maman. Ça risque de se répéter chaque jour. S'il te plaît, maman, je ne veux plus rentrer à l'école, maman. Uchena, s'il te plaît, j'irai à ton école demain. T'inquiète pas. Oui, parce que je viens de finir de payer les frais il n'y a pas longtemps, donc je ne peux pas te changer d'école. Maman, tu ne comprends pas. Il veut juste me tuer. T'es tué? Qui? Les gars qui sont après moi. Ils veulent que je les rejoigne, mais je refuse. Uchena, tu me rends confuse. De quel gang es-tu en train de parler? Je veux dire des mauvais garçons de l'école. Des mauvais garçons? Dans ton école? Alors pourquoi tu n'es pas allé les accuser auprès du principal, mon fils? Hey! Hey! Maman, c'est pas ce que tu crois. Hey! Il faut Uchena. Me tuer si j'appelle la police. Uchena, écoute, je viendrai dans ton école pour que nous allons voir le principal. Et ils vont te laisser tranquille. Maman, si tu mets tes pieds dans mon école, ils vont me tuer. Hey. Je sais qu'ils vont me tuer, maman. Je ne vais pas mourir. S'il te plaît. Mais c'est quoi ce genre de problème? S'il te plaît, maman. Hey. S'il te plaît. Ok. Écoute, t'inquiète pas. Je vais te changer d'école, ok? Tu sais que tu es mon fils unique. Je n'aimerais pas que quelque chose puisse t'arriver. Ça va aller. C'est maintenant que le vrai travail commence. Mon Dieu, qu'est-ce que je veux faire pour l'envoyer à l'université? Je dois travailler dur. Oui, je dois travailler dur. Je sais qu'il me rendra fier après ses études. Il va trouver un bon travail. Il prendra soin de sa sœur et va changer notre vie. Je ne serai plus obligée de travailler dans de fermes les gens. Je ferai tout ce qu'il me faut pour l'envoyer à l'université. Mon fils. Oui, je suis là, maman. Mon fils. Maman. Une fois que tu seras arrivé, s'il te plaît, paye tout d'abord le frais. Hein? Ensuite, paye les loyers et achète-toi des livres. Et utilise le reste pour la ration. Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais ça peut t'aider durant 3 mois. Maman. Essaie de te débrouiller. Et je vais rester me battre pour que tu ne puisses manquer de rien. Maman. Maman. Oh, ma douce maman, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse pour moi, maman. Amen. Je te promets que je ferai tout ce que tu m'as dit de faire. Oh, fils, je t'en prie, ne me déçois pas. Je ne fais pas ça, maman. Tu sais comment j'ai souffert pour rassembler cet argent. Maman, ça n'a pas été facile. Je te promets que je ne ferai pas ça. S'il te plaît, je veux que tu me rendes fière. Je sais. Merci beaucoup. D'accord. Mets-toi à genoux et laisse-moi prier pour toi. Maman. Mets-toi à genoux. Laisse-moi te bénir. Oh.
Que Dieu te protège et veille sur toi. Amen. Lève-toi, mon fils, et partons. Merci. Ah, merci, maman. Maman, t'inquiète pas pour ça. Donne-moi, je vais prendre. Non, mon fils, je vais t'accompagner. Je vais venir avec toi et me rassurer à ce que tu puisses monter dans le bus. Je veux que tu puisses pas revenir. Hey, Ujena, mon fils. Oui, je maman. Je suis très contente. Hein? Donc, il ne reste que 6 mois pour que tu deviennes licencié. Tu iras au service national. Oui, je maman. Suis devenue la maman des licenciés. Je suis vraiment très heureux. Oh, oui, maman, je suis vraiment heureux que mes rêves se réalisent enfin. Oui, ils vont se réaliser. Merci beaucoup. Dieu est le plus grand. Je suis ravie. Nos efforts ne sont pas partis en vain. Non, pas du tout. Hey, oh. Non, maman. Oui, maman. Quoi? Attends, qu'est-ce j'ai un appel. Allô? Oui, je suis au village, je ne peux pas très bien t'entendre. Le réseau ici n'est pas très bon. Oui, vas-y, parle. Quoi? Une bagarre? Mais qui se sont battus? Et c'est quoi le score? Bagarre? Oh, 3-2. Ok, d'accord. Mais j'ai dit que j'arrive, tu es fou quoi? J'arrive! D'accord, très bien. Uchena? Oui, maman. Mais qu'est-ce que j'ai entendu? Maman, tu ne vas pas comprendre. Maman, je reviens. À l'université? Mais il n'y a pas cours, c'est les vacances. Hein? Mais comment est-ce qu'il peut dire qu'il rentre là-bas pendant qu'il n'y a pas cours? Hey, je n'aime pas ce que mes oreilles viennent d'entendre. Oh. Hein? Mais c'est quoi ce genre de football? Pendant les vacances. Ah. Uchena, tu n'iras pas là-bas. Uchena, tu n'iras pas là-bas. Maman. Uchena, maman. S'il te plaît, mets-toi. Maman, mais comment tu peux encore me demander de m'asseoir? Assois-toi. Je suis déjà en retard, maman. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Uchena, le football que tu veux aller jouer ne me plaît pas. Hein? Es-tu obligé d'assister à ces matchs? Maman, tu ne vas pas comprendre. Je dois déjà partir, maman. Je n'ai pas beaucoup de temps. C'est les vacances à l'université. Et tu as dit qu'il y a eu un clash dans ces soi-disant matchs. Alors, pourquoi veux-tu partir? Maman, écoute-moi. Notre école est en vacances, oui. Mais 80% de nos étudiants participent dans cette compétition. C'est-à-dire dans ces matchs de football, maman. Tu comprends ça? Et je suis parvenu à être, maintenant, le capitaine de mon équipe. Quand l'entraîneur n'est pas là, c'est moi qui dirige l'équipe, maman. C'est moi le chef là-bas. Uchena. Maman. C'est les vacances à l'université. Alors dis-moi, qui vont participer? Si c'est le football que tu veux, tu peux jouer ici au village. Tu as aussi des amis, s'il te plaît. Ne pars pas là-bas. Maman. La vie est très importante. Ne pars pas te battre là-bas à cause du football. Maman, foot. Tu ne vas pas comprendre. Mais quand je deviendrai grand joueur international, maman. Quand je vais gagner des millions par semaine. Uchena. Tu vas être heureuse, maman. Tu vas être heureuse. Uchena. Maman, je gagnerai des millions par semaine. Uchena, mon fils, tu peux jouer au football n'importe où. Ton école secondaire est là. Hein? Il y a aussi ton école primaire. Tu peux aller t'amuser là-bas. Il y a de l'espace partout ici au village. Pourquoi ne pas faire appel à tes amis pour que vous veniez jouer ici? Uchena. Maman. Quand est-ce que tu vas repartir à l'université? Je croyais que les cours ont repris. Oui, maman. Oui, l'école a déjà repris. Mais il n'y a pas encore la session. Ah, ah. Mais j'avais vu Evelyne, la fille d'Okafo. Elle m'avait dit que vous avez commencé, voire même les examens. Tu ne le fais pas avec eux? Oh, Evelyne, maman, nous sommes dans une même université, mais pas un même département. Là-bas, les examens se font département par département, maman. Mmh. Alors, quand ça sera les tours de notre département, alors j'irai faire mon examen aussi, maman. Et maman, il y a aussi notre problème, c'est que je n'ai pas encore payé les frais qu'il faut. Mmh. Oui, on pourrait les obliger avant de passer les examens. Hé, hey, tu as une dette? Hé, hey, oh. Je ne savais pas que tu avais des dettes.
Hein? Hein? Où est-ce que je vais trouver de l'argent pour payer ces frais? Écoute, tu dois commencer à lire tes notes. Lis tes notes. Oui, j'essaye. À la place d'aller jouer au foot tous les jours, s'il te plaît, lis tes notes. Quand j'aurai l'argent, je vais te donner et tu repartiras à l'école. D'ailleurs, je dois aller labourer dans 2 ou 3 fermes, mon fils. Avant qu'on finisse la semaine, je te donnerai cet argent et tu iras payer à l'université. Ok, mon fils? Pas de problème, maman. Je ne savais pas. Pas de problème. Il n'y a pas de problème, maman. Ok? Ça va. S'il te plaît, maman. Maman, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi, maman. Je t'en supplie. Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi, maman. S'il te plaît. C'est quoi le problème? Hein? Maman. J'ai toujours voulu être un bon garçon. J'ai toujours voulu te rendre fière, maman. Maman, ils n'ont fait que mes frères souffrir et me maltraiter. Mon fils, mais de quoi est-ce que tu es en train de parler? Tu me fais peur. Je ne comprends rien. Qui sont ces-ils? J'ai été chassé de l'école. J'ai été chassé, maman. Je ne comprends pas. Tu étais censé faire ton examen final en ce moment et devenir licencié dans 6 semaines. Maman. Tu m'avais demandé de l'argent. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. De quoi est-ce que tu es en train de parler, mon maman, fils? Maman, je ne sais quoi faire, maman. Ils m'ont forcé. Ils m'ont forcé de rejoindre leur camp. Maman, pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi, s'il te plaît, maman. S'il te plaît, pardonne-moi. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, maman. Uchenna n'avait pas fini l'université. Il a été renvoyé et mis dans la liste noire. Cela veut dire qu'il n'a plus le droit d'étudier dans n'importe quelle université dans ces pays, ma fille. C'est comme ça. Et toutes ces années de sacrifices n'ont pas porté de fruits. J'aurais dû t'envoyer à l'école. J'aurais dû t'envoyer à l'école à la place d'Uchenna. Mais en ce moment, tu as les maîtres plus utiles. Chaque jour, je regrette d'avoir accouché de ces garçons. Mais maman, Uchenna est toujours ton fils. Il reste ton sang. Je suis sûre en ce moment qu'il a pas mal de pression. Mais il aurait dû se confier à toi. Maman, s'il te plaît, pardonne-lui. Si je lui pardonne, est-ce que je vais oublier? Est-ce que je vais oublier comment j'ai souffert? À Maka, nous sommes revenus à la case du départ. Bien après tout ce que j'ai enduré, j'ai souffert sous le soleil et la pluie. Nous sommes revenus à la case du départ. Je continue toujours à travailler dans des fermes d'autres personnes. Juste pour mettre la nourriture sur la table et que nous puissions manger. Hey. Naï Ifoma, je suis sincèrement désolée. S'il te plaît. Désolée pour ce qui t'est arrivé. Hein? Trouve une place dans ton cœur pour pardonner mon fils et moi. Je t'en prie. Ok. Qu'est-ce que je veux faire? Il n'y a aucune chose, aucune personne ne peut faire en sorte que cette situation soit récupérée. Ma fille est déjà morte. Elle est partie pour toujours.
j'ai aussi appris que ce n'était pas ton fils qui a tué ma fille. C'était plutôt ses amis. Je vais aller juste prendre le corps de ma fille à la morgue et l'enterrer. Maman, nous sommes très désolés. Pardonne-nous, s'il te plaît. Ok. Autre chose, ma chère. S'il te plaît. Permets-nous de faire libérer mon fils. Il est toujours à la station de police. Pitié. Ok. Attendons le retour de mon fils. Je lui demanderai d'aller à la station de police pour savoir comment les choses se passent là-bas afin que Uchenna soit libéré. Nous allons nous assurer qu'il soit libéré. Maman. Merci. Merci beaucoup, ma chère. Que Dieu te bénisse. Merci. Bon, je crois qu'il est grand temps d'enterrer ma sœur. Okwe, je pense que tu as vraiment raison. Parce que la garder à la morgue ne changera rien du tout. Enterrons-la et passons à autre chose. J'en ai déjà parlé avec ma mère et elle est d'accord avec moi. C'est mieux. Okwe, une autre chose s'il te plaît. Je pense que garder Uchenna là où il est en ce moment ne changera rien du tout en ce moment. Nous devons les libérer et... C'est ça. Tu as raison. Tu as raison, mais avant ça, nous avons besoin d'aller chercher ces garçons qui ont violé et tué ma sœur. Ils ne peuvent pas violer et tuer ma sœur et en sortir indemne. C'est pas possible. Je me dois de les faire payer. C'est pourquoi il nous faut Uchenna. Une fois qu'il est libre, il va nous aider à voir ces gars-là parce que je crois qu'il les connaît très très bien. Il les connaît. Tu as raison. Maman, s'il te plaît, arrête ça, arrête ça. Laisse-moi tranquille, maman. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a comme ça? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Je dis laisse-moi tranquille, je vais aller faire face à ces gens. Hein, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a comme ça? Uchenna, s'il te plaît, je t'en supplie. Permets à la police de faire son travail. Ne pars pas te battre. Maman, moi j'irai les combattre, oui. Maman, c'est à cause de ce violeur que moi j'ai passé un mois entier en incarcération. Hein? Dans une cellule de police. Je t'en prie, mon fils. Pourtant, moi, je suis l'innocent. Pourtant, je suis innocent, maman. Écoute-moi. Hein? Essaie d'être un homme bon. Fais-le pour mon amour. S'il te plaît, calme-toi. Maman. Maman, laisse-moi aller. Non, maman, laisse-moi aller le chercher. Maman. Non, maman. Maman, laisse-moi. J'y vais. Maman? Maman, mais qu'est-ce que tu fais là? Maman? 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 Hé! Maman? Maman? Hé! À l'aide! Grand frère! Grand frère! Maman! Maman, s'il te plaît! À l'aide! Maman! À l'aide! Au secours! Maman, non! À l'aide! Oh, maman! Amaka, je pense que je suis maudit. Pourquoi tu dis ça? Amaka, donc tu ne vois pas? Tu ne peux pas voir? Toute personne que j'ai beaucoup aimée finit par mourir dans des circonstances mystérieuses. Tout ça, tu ne vois pas? Ifoma, ma petite amie est morte. Maman est morte en essayant de m'empêcher d'aller faire face aux personnes qui ont tué Ifoma. Tu ne comprends pas? Allez, c'est bon. Je ne suis qu'un maudit. Dieu ne m'aime pas. Essuie tes larmes, grand frère. Pasteur, nous voulions te remercier pour nous avoir aidé à enterrer notre mère. Oui, merci, pasteur. Infiniment. Merci beaucoup. Aucun problème. Ça fait partie de notre boulot. Et vous savez, votre mère était une très bonne femme.
Elle était vraiment cette femme qui avait vraiment pris soin de toutes les valeurs de Dieu. Puisse son âme reposer en paix. Amen. Prions maintenant. Oui, pasteur. Pendant que nous prions, le Dieu Tout-Puissant m'a révélé à moi que tu es sous une malédiction. Un certain temple de Dieu avait jeté un sort sur toi. Peux-tu t'en souvenir? Nous sommes des scorpions. Oui. Nous sommes des scorpions. Oui. Nous sommes des scorpions. Oui. Oui. Oui, nous sommes des scorpions et rien ne va nous arriver. Allons-y. Et combattons nos ennemis. Ouais. Allons-y. Allons-y. Ouais. Allons-y. Ouais. Allons-y. Tiens ma main. Je sais que c'est toi, lâche-moi. Ah, mon amour, comment tu vas? Je veux bien. Tu m'as grave manqué. Oui, je veux bien. Tu as pris beaucoup de temps comme ça. Je suis vraiment désolé. J'étais dans la classe, c'est pour cela. Ah, devine quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Essaye de deviner. Quoi? Essaye, devine. Je ne sais pas. Tu ne connais pas? Bon, c'est pas grave. Ferme les yeux. Maintenant, ouvre-les. Ah, Uche, oui. C'est à qui? C'est pour toi. Pour moi? Oui. Oui. Je te l'ai apporté, bébé. Je vais commencer à te demander chaque jour. Merci beaucoup. Je t'en prie. J'apprécie. Une autre chose, bébé. Promets-moi que tu vas toujours brancher ce téléphone et les garder là où personne ne les verra. Je te promets que je le ferai. Tu sais que je t'aime. Je t'aime autant. Oh mon amour. Ok. Bye. Rentre en classe. N'oublie pas. D'accord. Déchargez toujours ce téléphone. Merci Seigneur. Bibi, comment tu vas? Oui, ça va. Ok, ok. Bibi, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les médicaments pour enlever la grossesse. Es-tu sûr? Oui, bébé. Bébé, s'il te plaît, on n'est pas prêt de se marier maintenant. Je sais que tu as envie de continuer les études. S'il te plaît, prends. Prends, s'il te plaît. C'est la seule solution que nous avons. S'il D'accord. te plaît, ok? Je t'aime beaucoup, je t'aime. Allez, arrête, on risque de nous voir. Ok, c'est pas bon. Pas de problème. Bye. On se voit plus tard. S'il te plaît, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Que veux-tu que je fasse? Demain, c'est la fête de la petite amie de mon ami. Et je veux que tu sois là avec moi, s'il te plaît. Oh, demain, c'est samedi, non? Qu'est-ce que je dirai à mon père? C'est vrai. Je sais que demain, c'est le samedi. Mais je t'ai vu là-bas. Tu peux mentir à ton père. Dis-lui quelque chose du genre. Tu peux le dire même. Tu peux lui dire un truc du genre. Tu pars à l'école. Cherche juste quelque chose à lui dire, s'il te plaît. Et je veux que tu t'habilles bien. Comme une grande fille, tu t'habilles très bien. Tu te rends très belle.
comme une grande personne que tu es. Je n'ai pas ce genre d'habit. Ah, mon Dieu. Ok, je vais acheter ça pour toi. Je vais acheter ça pour toi, ok? Ok. Je peux avoir l'argent et je vais t'acheter avant. Tu sais que tu es une grande fille et je veux que tu ressembles à une grande fille demain. D'accord. Très bien. Tu sais que je t'aime beaucoup. Je t'aime autant. Et je ferai tout pour toi. Allô? Allô, mon amour. Je t'ai interdit de m'appeler à 7 heures de la journée. Oui, je suis avec mon père, je lui en parle. Tonton. Ok, je t'ai entendu. Bye, je t'aime également. La préparation pour la journée des hommes. Merci, je vous envoie le numéro de compte tout de suite. Bonjour, papa. Esther, où est-ce que tu vas au juste? Car d'après ce que sache, aujourd'hui, c'est samedi. Oui, papa, je vais au cours supplémentaire de samedi. Ce sont deux cours qu'on a organisés pour préparer les examens, puisque très bientôt, on va commencer les examens. Et tu vas au cours pour la leçon maintenant? Oui, papa. J'espère que tu reviendras à temps. Oui. Et... Très bien, tu peux y aller. Bye, au revoir. Allô, Monsieur Georges, je viens de vous envoyer le numéro de compte. Je vous en prie, dépêchez-vous. Merci, que Dieu vous bénisse.
mon gars, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Les gars, sérieusement, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. J'avais juste ajouté une petite dose dans sa boisson, juste pour la surchauffer. Je ne savais pas que ça arriverait à ce niveau. Uchenna, ah, Uchenna, oh mon Dieu, si tu pouvais faire ça. Hein? Hey, hey. Écoute, écoute bébé, ce n'est vraiment pas le moment de blâmer qui que ce soit. Ce qui m'inquiète maintenant, c'est qu'est-ce qui retient ce gars pour trouver un taximan? On devait te l'emmener à l'hôpital. Cette fille mourra ici, oh. Non, 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 jamais de la vie. Elle ne peut pas mourir. Non, 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 ne dis pas ça encore. Ah. Oui, Esther. Esther, Esther, Esther. Oui, homme de Dieu, je me rappelle. Il y a déjà plusieurs années passées, son nom c'est... Esther. Son père était... était un pasteur. Mais, homme de Dieu, ce n'était pas mon intention. Sa mort n'était pas mon intention. Ce n'était pas mon intention. Grand frère, tu veux dire que tu avais tué quelqu'un dans le passé? Amaka, tu ne peux pas comprendre. Amaka, tu ne peux pas comprendre. Hey. Homme de Dieu. J'irai avec toi pour aller demander pardon. Quand tu seras prêt, fais-moi savoir. C'est la meilleure des choses à faire. Sans ceci, tu ne pourras jamais avancer dans ta vie. S'il vous plaît, j'aimerais venir avec vous. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Ce n'est pas grave. Je crois que je vais partir maintenant. Je m'en vais maintenant. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Homme de Dieu. Mon nom est Amaka. De l'autre côté, c'est mon frère aîné, Uchenna. Et lui là-bas, c'est notre pasteur. Monsieur, nous sommes venus à cause d'un problème. Nous étions d'abord allés en ville dans votre maison. Mais vous n'étiez pas là. Voilà pourquoi nous sommes venus ici au village. Et nous sommes très heureux de vous rencontrer. Mon frère a des choses à te dire. J'étais encore jeune. Homme de Dieu. J'étais naïf. J'étais encore très jeune. Je ne savais pas ce que je faisais. Pardonnez-moi s'il vous plaît. S'il te plaît. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Je vous supplie de me pardonner. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Ma défunte femme m'avait dit qu'un jour comme celui-ci arriverait. Et voilà que c'est le cas. J'ai fait tout mon possible pour vous élever tous les deux dans les voies du Seigneur. Et je suis heureux que vous ayez grandi et que maintenant vous êtes à l'école secondaire. Maintenant, l'école secondaire est un tout autre monde. Plusieurs personnes qui ont été enseignées dans la voie du Seigneur sont allées à l'école et ont complètement changé. Pour aucune raison. Voyez tous les musiciens qui sont populaires.
tous ces musiciens fortunés et ces acteurs que vous connaissez. Eux tous étaient des vrais appelés des dieux, fortement reconnus serviteurs des dieux. Quelques-uns d'entre eux ont bien commencé à l'église. Le diable a toujours eu un œil sur ce genre de personnes. Les observant pour les arracher, les garder près de lui afin qu'ils travaillent pour lui. Également comme ça pour plein d'autres acteurs. Des actrices aussi, des nobles, les gens qui sont censés représenter Christ se sont fait dérouter par l'immoralité, les désirs de la chair, le matériel aussi, l'envie, parce que ils ont voulu détourner la voix de la parole. Et la Bible dit: soyez les ambassadeurs pour Christ et représentez Christ de toutes les manières possibles. Mes chers enfants, tous les deux êtes parmi les élus. Soyez prudents de ce que vous entendez, de ce que vous faites, de la compagnie que vous vous faites. Parce que l'éternité est si proche, bien proche que vous ne le pensez. Soyez vraiment prudents. Soyez sobres. Soyez pieux et soyez vigilants. Afin que cette goutte dorée que vous avez du Seigneur ne puisse jamais s'éloigner de vous. Vous allez faire face à plusieurs épreuves, tribulations et frustrations à l'école. Mais ne vous découragez pas, car la Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Soyez forts, que l'Éternel soit votre force. Merci, papa. Nous avons entendu tout ce que tu as dit. J'ai promis de réaliser tout ce que tu t'attends de nous par la grâce de Dieu. Tu es vraiment merveilleux, papa. Et tu nous instruis spirituellement aussi. Nous allons continuer cette marche jusqu'à la fin. Par sa grâce. Merci, papa. Merci à vous, mes chers enfants. Vous deux commencez déjà à être en retard pour l'école. Dépêchez-vous d'y aller. Merci, papa. Et ton association avec ce groupe de filles commence sérieusement à te distraire. Tu utilises maintenant le temps qui t'est donné pour la prière, un temps d'intimité avec le Seigneur, pour cette cause-là. Ma chère fille, qui sont ces filles? Papa, ce sont mes amies. Amies? Oui. Sont-elles nées de nouveau? Oui, papa. L'une d'elles est l'enfant d'un pasteur. Vraiment? Oui, papa. Un pasteur? Oh! Ça, c'est bien! Ça, c'est bien! Tu as maintenant des filles de pasteurs comme amies. Oui, papa. Ça, c'est bien. Je crois que ta chère petite sœur n'avait pas bien compris ce qui se passait. Kossi est venue ici et m'a dit qu'elle t'a vue avec un groupe de filles qu'elle n'arrive pas à définir l'identité ou dire qui elles sont. Tu le sais, il est dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et la Bible dit que comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un autre homme. Elle pensait que tu te faisais maintenant des mauvaises compagnies. Elle me l'a dit. Mais je te comprends parfaitement, ma chère fille. Esther, je suis fière de toi. Merci, papa. Donne-moi ma Bible et puis va continuer de faire ce que tu faisais. C'est très gentil. Merci beaucoup, ma fille. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Tout ça est très déroutant et très surprenant. Esther est juste partie d'ici depuis le matin
Et en y allant, elle m'a dit qu'elle allait à l'école pour des leçons de week-end. Il commence déjà à se faire tard, mais elle n'est toujours pas revenue. J'ai parlé avec son principal de l'école, son professeur, et tous les deux m'ont confirmé qu'ils ne l'ont pas vue. Et d'ailleurs, ils m'ont confirmé qu'il n'y avait aucune leçon organisée. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Je suis allé rapporter ça à la police. Parce que je commence à avoir le pressentiment que quelque chose de mal a pu arriver à ma chère fille. Ne t'inquiète pas pour ça. Rien ne va arriver à ta fille. Amen. Mais cette histoire est vraiment sérieuse. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Fais de ton mieux pour la trouver. Ça va mieux se passer. Merci, pasteur. Je sais. Merci, pasteur. S'il vous plaît, s'il y a d'autres moyens avec lesquels vous pouvez, vous savez, faire en sorte que le public sache que je suis à la recherche de ma pas fille. Pas de problème. Parce que je commence à avoir ce pressentiment que quelque chose est arrivé à ma fille. Ma fille n'est pas une mauvaise personne. Je l'ai élevée dans la voie du Seigneur. Rien ne va arriver à elle. Amen. Rien du tout. Amen. Aussi longtemps que l'Éternel vit, aucune chose ne peut arriver à ta fille. Amen. Merci beaucoup. Mais je crois qu'on devrait annoncer ça à la télé. Je vous reviendrai. Père très saint, tu as dit que tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que c'est toi le seul et vrai Dieu tout-puissant. Qu'il devrait dire que le Seigneur est ma force et mon appui. De qui pourrais-je donc être effrayé? Car la Bible déclare que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai nullement atteint. Parce que j'ai fait de l'Éternel ma seule et unique habitation. Seigneur de gloire, je couvre ma fille Esther avec le sang de Jésus-Christ. Je couvre ma famille entière du sang de Jésus. Seigneur de gloire, il est dit dans ta parole qu'il n'y a rien que l'on peut confier entre tes mains, que tu es incapable de garder. Père de gloire, je recommande ma fille entre tes mains. Toute main forte, tout homme fort et toute femme forte, qui la retiennent captive. Puissent-elles perdre leur pouvoir, puissent-elles perdre leur emprise sur elle, Père. Au nom de Jésus, dehors, quel que soit ce pouvoir ou cette puissance, Père, agissant là-bas aux cieux ou bien sur ces terres, Père, sois perdu et sans pouvoir au nom de Jésus-Christ. Tu es le seul et l'unique qui a le verdict, Jéhovah. Elle est ta fille, papa. Elle est ta fille, papa. Elle a été faite à ton image, Seigneur. Et je sais que tu ne permettras pas que les plans et les ruses des démons ainsi que leurs œuvres ne se réalisent, Père. Jéhovah, détruit les plans qu'ils ont sur la vie de ma fille. Change leurs plans contre sa vie en stupidité. Change leurs plans contre la vie de ma fille en folie. Exactement comme tu l'avais fait dans l'ancien temps, papa. Fais-le en ce moment. Tout homme fort, toute femme forte et toute main forte, la gardons captive, soit brisée par le nom de Jésus-Christ. Soit brisée par le nom de Jésus. Que leurs yeux, Père, soient couverts de honte. Et que leur cœur, Père, soit rempli de chagrin. Ah, Jésus! Je la couvre avec le sang de Jésus. Je la couvre avec cette lumière salvatrice. Je la couvre avec la parole du Seigneur qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Même quand je marcherai sur les océans, le Seigneur sera avec moi. Car tu es la lumière qui éclaire dans le ténèbre. Que ton nom soit élevé à jamais, car tu es le Dieu qui protège. Protège ma chère fille. Garde-la, ô Seigneur. Ramène-la à la maison saine et sauve. Couvre de honte le visage de mon ennemi. Couvre de honte le visage de mon ennemi. » Elle ne va pas se perdre. Elle ne perdra pas sa mémoire. Elle ne perdra pas sa mémoire. Elle ne perdra pas sa vie. Au nom de Jésus. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je bénis et glorifie ton saint nom parce que tu es un Dieu fidèle, papa. Tu n'as jamais menti à qui que ce soit que je connaisse. Et je le sais. Et je le sais très bien que tu vas. Je ne comprends pas ce que vous essayez de dire. Qu'êtes-vous en train de dire?
Ma fille est portée disparue et ça fait des jours maintenant. Je ne comprends vraiment pas ce que vous dites. Frère Paul, selon la parole de Dieu révélée... Exact. Je vis l'esprit de ta fille. Et elle est morte. Quoi? Elle n'a pas fourni d'efforts. À part tout ça, je pense qu'elle a dévié la voie de Dieu. Pasteur, qu'êtes-vous en train de dire, pasteur? Je ne vous comprends vraiment plus. Que voulez-vous dire par ma fille est morte comme ça? Frère Paul. Qui est là? Bon après-midi. Bon après-midi. Je cherche un monsieur au Carrefour, le père de Esther. Exact, oui, c'est moi. Dites-moi. Au fait, il y a quelques jours, un groupe d'élèves a emmené ta fille à l'hôpital. Mais... Hey! Ma fille, vous avez dit? Oui, mais elle était morte. Et alors? Quoi? Jésus-Christ. J'essayais de vous contacter, mais malheureusement, je n'avais pas votre numéro. Et Frère Paul! Frère Paul, non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Monsieur Paul. S'il te plaît. Paul! Seigneur Jésus. Paul! Pasteur, j'ai vraiment fait de mon mieux. J'ai fait tout ce que je pouvais pour pouvoir élever mes enfants dans les voies du Seigneur. Mais c'est vraiment pitoyable. C'est une pitié qu'elle ait réellement déviée. La mort n'est pas la plus grande tragédie. La plus grande tragédie est que ma chère fille Esther ne pourra pas aller au paradis. C'est ça là. C'est donc ça qui me fait plus de peine. Frère Paul, je pense que tu dois te consoler. Ça sera mieux pour toi. S'il te plaît. Remercions Dieu pour toutes choses. Qu'est-ce que je souhaite? Je souhaite que tous les jeunes qui sont là dehors puissent apprendre de l'erreur qu'a commise ma fille. Je souhaite juste que tous parents qui se trouvent là dehors, tous les parents, vraiment, apprendront de l'erreur qu'a commise ma fille. Que donc ça va aller de plus, Paul. Mon Seigneur, oh, c'est bon. Frère Paul. Oh, s'il te plaît. Mon ça Seigneur, ça va aller. Remercions Dieu dans toutes circonstances. S'il te plaît, calme-toi. Elle m'avait vraiment supplié de pardonner le meurtrier de sa fille, ne sachant pas que c'était bien toi. Se tromper est humain, mais pardonner c'est divin. Qui suis-je donc? Je sais bien que ça peut faire mal, mais j'avais jeté un sort sur toi. Mais là maintenant, je viens de l'enlever. Je t'ai pardonné. Va et sois heureux. Oh, monsieur. Merci beaucoup. Homme de Dieu, merci beaucoup. Merci, homme de Dieu. Il n'y a pas de quoi. Merci infiniment. Uchenna, nous sommes ici pour te voir. J'espère qu'il n'y a pas de problème parce que j'étais déjà en route pour l'église. L'église? C'est très bien, homme. Nous ne te ferons pas perdre ton temps. Ces garçons qui ont tué Ifoma ont été arrêtés. Et merci pour les photos que tu nous as envoyées qui nous ont permis de faire arrêter comme ça. Merci beaucoup. Content de l'entendre. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait, hein? Je...
Je suis vraiment désolé pour toutes les mauvaises choses nous t'avons fait à toi. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur et pardonne-nous. Oui, merci pour cela. J'ai entendu parler de la mort de ta mère. Désolé pour ça. Et une chose de plus. Il faut que ma soeur soit enterrée demain. Tu peux venir au moins pour rendre tes derniers hommages. Une autre chose encore, Uchenna. Nous pouvons devenir des amis. Uchenna, s'il te plaît, ne pars pas. Amaka, laisse-moi partir. Je t'en prie, Uchenna, je me mets à genoux. Amaka, s'il te plaît, Amaka, ne fais pas ça. Tu veux me laisser toute seule dans ces mondes. Maman est morte et maintenant tu veux aller t'accuser. Amaka, il faut que je parte. Il faut que je parte, Amaka. Uchenna, écoute, je te pardonne. Je sais que tu n'avais pas tué maman, je te crois. Je réagissais mal avant, mais plus maintenant, je te crois. Écoute, s'il te plaît. Tu ne peux pas me laisser seul, grand frère, je t'en prie, reste. Amaka, il faut que j'aille à la station de police. Amaka, il faut que j'aille me rendre à la police. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas, Amaka, le crime que j'ai commis. Je veux la paix dans ma vie. Et si je ne vais pas à la police, Amaka, alors je ne serai jamais en paix. Non. Je veux être en paix avec moi-même et avec le monde. Amaka, s'il te plaît, laisse-moi partir. S'il te plaît, laisse-moi partir. Non, Amaka, laisse-moi partir. S'il te plaît, arrête, reviens. Laisse-moi partir. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Even if you climb a miracle tree, you can never, never see it, my child. What another CCC down? Even if you climb a miracle, you can never see it. Oh, what is your plan? You can never run faster than your shadow.
do, leads to trouble. Anything I do, leads to trouble. Anywhere I go to, leads to trouble. Whatever I